Bonjour à tous, on va commencer cette masterclass quand vous allez bien. Je m'appelle Clément, avec Anna on va vous présenter cette masterclass et Lucas. Je suis super content aujourd'hui de vous présenter cette masterclass. Merci à vous de nous donner l'opportunité d'organiser, c'est cool. On va vous présenter aujourd'hui le sujet le marketing digital, paradoxe ou véritable opportunité au service de la RSE et du développement durable. Du coup, aujourd'hui, le développement durable et le RSE, c'est au cœur des préoccupations. Le dernier rapport du GIEC, on l'a peut-être lu, il nous dit qu'il nous reste 3 ans pour agir. Donc forcément, en tant que promo marketing, on est un petit peu impacté. Parce qu'aujourd'hui, notre boulot, c'est plus ou moins de vendre plus ou de vendre mieux. Donc c'est pour ça que, vu qu'on est tous concernés, on va un peu vous demander de nous aider dans notre masterclass. Parce que c'est un partage d'expérience et ça nous concerne tous. Moi, je vais faire la première partie, Anna va faire la seconde. Du coup, on a la chance d'accueillir Lucas Coignet. C'est ça, hein, ton nom de famille. Alors du coup, Lucas, il est directeur de l'agence Les Intrépides. C'est une agence de conseil en marketing digital qui accompagne les entreprises dans leur stratégie digitale. Donc, Lucas, il est aussi diplômé de VAE et de Dijon. Tant pis pour lui. Du coup, Lucas, tu es certifié du diplôme Comprendre la crise écologique pour réinventer l'entreprise et certifié HEC sur l'entrepreneuriat du changement. Lucas, il est là pour répondre à notre problématique. Donc, je le rappelle, qui est le marketing digital, paradoxe ou véritable opportunité au service de la RSE et du développement durable. Du coup, pour traiter ce sujet, on a besoin déjà d'un contexte. Donc, Lucas, si tu veux bien nous donner un petit peu le contexte aujourd'hui de développement durable et du digital, etc. Allez, je fais ça. Est-ce que ça marche? Nickel, on fait signe, donc c'est que ça va être bon. Génial. Ah, je vais récupérer ça. Bon, déjà, avant que je fasse cette introduction pénible pour tous, je tiens à me présenter officiellement, même si Clément l'a très bien fait. Je vous remercie d'être présent ici. On va passer à peu près 2 heures ensemble. Ça devrait bien se passer. Je compte sur vous, en revanche, pour me poser des questions. Parce que vous allez voir le diapo, si je m'assois ou que je parle comme ça, ça va être très ennuyant à la fois pour moi et pour vous. Donc je compte sur vous pour faire des interactions. Et puis si vous ne le faites pas, comptez sur moi pour vous forcer la main. Alors, vous avez l'habitude, je pense, pour vous poser des questions. Ok, c'est parti. On n'a pas précisé, mais dès que vous avez des questions, vous pouvez les noter. Il y aura tout le temps des temps où vous allez pouvoir me poser des questions pour ne pas interrompre à chaque fois. Même si je suis sûr, elles sont toutes pertinentes et ça sera avec plaisir que je répondrai à toutes vos questions. Alors, on va introduire avec les grandes tendances du marketing. Mais avant, je voulais vous parler vite fait de l'agence, sans vous assommer, mais pour que vous puissiez comprendre quelle est la personne qui vous parle. Donc, l'agence est Intrépide, on est spécialisé dans 3 domaines. Le premier qui va être le growth hacking, c'est-à-dire toutes les méthodes de croissance possibles. Une entreprise vient nous voir, j'ai tout ce qu'il me faut, j'ai mon storytelling, ça va bien, j'ai ma marque. Mais il faut que je passe à la vitesse supérieure. Ok, très bien. On va faire ça ensemble. Ensuite, e-commerce. Nous sommes spécialisés dans la création de sites e-commerce via Shopify. Nous sommes Shopify Partner, bientôt expert. Et nous faisons tout ce qui va être expérience client en ligne. Et on termine par, globalement, le marketing digital. Où ici, on englobe aussi les stratégies d'influence, les ads, les automatisations sur les réseaux sociaux, les stratégies d'engagement, love brand et tout ce qui va avec. Sur la partie plutôt RSE, développement durable, alors vous verrez, je vais dire les 2 termes à chaque fois, parce que ça ne veut pas dire la même chose. Green Founders, c'est notre deuxième société avec mon associé ici présent, où nous développons à l'intérieur, c'est un groupe, et nous développons des marques qui sont en dessous, en nom propre. Donc je vais très vite, nous avons Mangart, qui est une afficherie sur le thème des mangas et des artistes français. Nous avons Break, qui est du café et des infusions au chanvre CBD, made in France. Nous avons Chargé au Green, qui concerne en plus notre thématique aujourd'hui, puisque c'est de la location de vélos producteurs d'énergie pour le B2B.
dire qu'on installe des vélos dans les entreprises et quand vous pédalez, ça génère de l'électricité de la même façon que du fast charge sur du 200 watts. Ce qui veut dire que vous branchez votre téléphone au vélo ou sur une prise, on le recharge aussi vite. Et on le met à disposition des entreprises, vous l'aurez compris, marque employeur, bilan carbone, et puis bien-être au travail, au-delà de la marque employeur pure. Et puis, Agicard, qui peut-être on aura l'occasion d'aller un peu plus dans le détail ensemble aujourd'hui, qui est une carte de visite qui vous connecte. Nous avons lancé cette solution numérique, plutôt que d'avoir des cartes numériques qu'on imprime et qu'on jette. Nous avons des petites cartes NFC qui va permettre en un geste sur le téléphone de votre prospect ou de votre partenaire de télécharger votre carte de visite ou d'emmener directement sur vos plaquettes. On diminue à la fois le coût d'impression, puisque c'est un coût unique avec abonnement, et puis surtout, on favorise notre planète, puisque vous savez, vous êtes alternant, on vous fait 300 cartes de visite et vous en utilisez 10 par an, et à la fin, vous les jetez. Et l'entreprise perd de l'argent et la planète a souffert pour rien. Donc au-delà de ça, nous, on nous envoie un petit mail. Ah, la personne part, est-ce que vous pouvez changer? Et à distance, on va mettre à jour la carte et on garde une seule carte et vous pouvez la passer à votre successeur. Ok, super, j'arrête de vous embêter avec ce que je fais. Et on introduit le sujet du marketing 3.0 au marketing 4.0. Je vais citer ici Philippe Kotler, que vous connaissez, j'imagine, tous très bien. Mais je vais m'éloigner de la vision académique aujourd'hui et on va regarder une vision terrain. Comment est-ce qu'on pourrait le traduire et comprendre pourquoi est-ce que le marketing évolue et pourquoi est-ce que, au final, la cause de la planète, le RSE, alors RSE, hein, les trois piliers, vous avez économie, sociétale, environnementale, pourquoi est-ce que c'est aujourd'hui un facteur à la fois de croissance et de réussite pour une société? Alors, au tout début, à la naissance du marketing, notre matière, on partait du principe que, vous connaissez tous Adam Smith, pour ceux qui ont fait un peu d'économie, on était sur l'offre crée la demande. Donc on part du principe que vous produisez en masse, et de toute façon ça va se vendre. Bon, je vais vraiment caricaturer, peut-être que vos profs vont pas être d'accord. En gros, on produit et on vend. Donc on va parler du produit en tant que tel, parce qu'il suffit de parler du produit pour vendre. Ensuite, on se rend compte quand même qu'il y a un client derrière. Ah, c'est bizarre, les rayons, ils se vendent pas tout seuls. Eh bien oui, il y a quelqu'un qui achète. Et donc, on a commencé à considérer le client dans le marketing. Et jusqu'à une évolution assez récente du marketing de l'humain, où on va mettre en scène et se dire que, à la fois le produit et la personne, le consommateur, peuvent être connectés, soit par des valeurs communes, soit simplement parce que le consommateur trouve une réponse à son besoin. On pourra en parler tout à l'heure entre la fameuse question « est-ce que le marketing crée le besoin ou pas ?» On l'abordera, vous me direz ce que vous en pensez. Et enfin, l'expérience du parcours client. Je pense que vous le connaissez dans votre master. Aujourd'hui, vous allez regarder un truc sur Internet, vous n'allez peut-être pas forcément l'acheter sur Internet, vous allez peut-être l'acheter en physique, ou alors vous allez vous allez à la Fnac, vous regardez les produits, vous les essayez, puis finalement, vous les achetez sur Internet parce qu'ils sont moins chers. Vous n'êtes pas bête. Et le parcours client, c'est pas que ça, bien évidemment. Si on le part sur le purement digital, c'est comment est-ce qu'on tombe sur votre site web. Il y a quelques années, alors on n'avait pas encore d'agence, mais on le voit quand les clients arrivent, les personnes qui ont l'habitude, qui ont créé un site web dans les années 2000, et qui reviennent vers nous et qui disent « Ah, il faut changer, mettre à jour notre site web », on voit qu'ils pensent vraiment encore que le site web, c'est hyper important. C'est la carte de visite de leur entreprise, c'est comme ça qu'on va les connaître, et on va taper leur nom, on va taper leur produit sur Google, et on va les trouver. On n'est plus trop d'accord avec cette vision-là, après, si vous n'êtes pas d'accord, dites-le moi. Le site web aujourd'hui, c'est une porte de sortie. Il y a 5, 10 ans, c'était encore une porte d'entrée, on cherchait sur Internet, on tombait dessus. Le parcours, en fait, s'arrêtait là, sur le digital. Et puis aujourd'hui, c'est carrément l'inverse. On va sur le site web pour confirmer une expertise qu'on a vue ailleurs. Par exemple, les réseaux sociaux. Vous, quand vous êtes sur Instagram, que je ne sais pas ce qui vous suivez, on va prendre un exemple, Léna Situation. C'était un exemple après ce matin, c'est pour ça que je reprends ça.
Vous regardez ses stories, elle va parler de la Citroën Ami parce qu'elle n'a pas de permis. Voiture 100% électrique, je perds pas ma voiture, je me gare simplement, patati patata. Vous allez écouter ce qui se passe, vous connaissez déjà la marque. Et ensuite, vous cliquez sur le bouton de sa story ou dans sa description. Et puis, vous tombez sur le site web. Le site web est donc bien une porte de sortie et non plus une porte d'entrée. Quelques chiffres pour l'avenir du e-commerce. On va aller vite, hein, vous pouvez lire, sinon, donc 84% c'est le... Alors là, il y a un petit... Il y a quelqu'un qui s'amuse avec moi. Ça change tout seul, non ? Ok. Des consommateurs ont réalisé des achats en ligne depuis la pandémie, donc 84%, contre 65% qui ont réalisé des achats en magasin. Ce qui veut dire qu'il y a plus de consommateurs qui ont acheté en ligne que des consommateurs qui ont acheté en magasin. Et parmi ceux qui ont acheté en magasin, 38% le font moins souvent maintenant qu'au début de l'année 2021. Ce qui veut dire que non seulement on a de plus en plus de gens qui consacrent du budget en ligne, mais qui en plus, ces personnes qui consomment en physique, consomment moins. Focus sur les jeunes, moins de 35 ans, c'est pas moi qui ai décidé, c'est Shopify, c'est le rapport de Shopify qui le dit. Donc 67%, donc les jeunes consommateurs consacrent davantage de budget aux achats en ligne par rapport au début de l'année. Ce qui veut dire que les jeunes consomment plus en ligne, ce qui semble logique. Et 62% des jeunes consommateurs préfèrent acheter des produits durables et verts. Ah, on commence à aller sur notre thématique. Alors, on voit qu'il y a un choix aussi pour l'indépendance, c'est-à-dire que 50% des consommateurs recherchent des entreprises indépendantes à soutenir. Je vous rassure, il y a 4 slides de chiffres à prendre en compte. Et voici les raisons pour lesquelles les consommateurs achètent pour des entreprises indépendantes. Donc 33% pour soutenir l'entrepreneuriat français, 33% pour acheter des produits uniques et 31% pour bénéficier d'un bon service client. Ça fait pas 100, je sais pas où vous passez le reste. Soutenir des causes, on parlait que tout à l'heure, 62% des jeunes consommateurs préfèrent acheter des produits verts et durables. On voit que pour 53% d'entre eux, ils préfèrent que les produits, toutes générations confondues, soient verts ou durables. 49% des consommateurs apprécient les marchands qui réalisent un don à une cause pour chaque vente réalisée. Vous avez vu sans doute fleurir partout les 1% for the planet, etc., dont le premier contributeur est Nike. Hein. On en parlera peut-être. Et 23% des consommateurs achètent chez des marchands locaux ou indépendants pour réduire leur impact environnemental. Bien. Après tous ces chiffres, on a une question à se poser, c'est quelle est la place pour le consommateur ? C'est-à-dire, comment est-ce qu'aujourd'hui il va consommer ? Parce que on peut se poser la question de ce qui va devenir un parfait consommateur. On revient à notre loi pure et parfaite et se dire, bah, la transparence d'information, est-ce qu'on l'atteint réellement en fait aujourd'hui ? Alors on voit que la transparence d'information, elle va passer par les interactions de communauté, sur les réseaux sociaux notamment. Elle va se passer sur l'interconnexion de tout le web en entier et notamment les avis. Vous savez qu'avoir des avis sur une page extérieure à son site, parce qu'aujourd'hui les avis sur notre site web, le consommateur n'y croit pas, il pense que c'est manipulé. Et donc avoir des avis augmente presque de 20% le taux de conversion d'achat en ligne quand ce sont des avis extérieurs. Type quand vous allez dans un restaurant, vous regardez si vous avez bien mangé avant par exemple. Et enfin, vous pouvez faire le choix de votre endroit d'achat et de le moment de l'achat. Alors, quelle orientation pour les marques ? Et mon introduction va se terminer là-dessus. C'est pas une généralité, attention, on pourra débattre dessus. Mais si on suit ces chiffres, il y a des grandes tendances que les marques, théoriquement, devraient suivre. Un engagement pour un produit plus local, un engagement vers un produit plus vert, avec une qualité démontrée. Il ne suffit pas de mettre que nous sommes verts ou que nous avons un produit de qualité, mais il faut aussi prouver et avoir de la cohérence, on en parlera. Et puis, enfin, respecter le pouvoir d'achat, puisque vous avez peut-être commencé à le voir, mais ça va être le mot-clé de cette année 2022, pouvoir d'achat, pour ceux qui suivent un peu Olivier Leclerc et ça, etc. Bien, j'ai fini mon intro, Clément. Eh bien, très bien, du coup, on va pouvoir passer, on va faire un petit jeu, et en fait, vous allez choisir les thématiques qu'on va aborder. Du coup, moi, je te laisse... Yes. Faire un itinéraire. Du coup, si vous pouvez scanner en fait le code, enfin le QR code en fait, et du coup, vous allez pouvoir donc connectez-vous sur le site
et vous allez pouvoir en fait, pour le moment c'est normal, ça marche pas, il y aura, normalement si vous cliquez sur le petit cœur, ça fait pas de petit cœur là-bas. Là, voilà, ouais, là, juste là. C'est beau, hein. Du coup, une fois que tout le monde est connecté, en fait, faudra garder ce lien parce qu'on va le réutiliser encore. Et puis, du coup, dans 30 secondes, on passe à choisir le sujet. Ça marche pour tout le monde ou c'est galère ? Si ça marche, on peut faire comme ça. Ça marche pas. Est-ce que c'est plus ou moins bon pour tout le monde? Ouais. Alors on n'est pas tributaire du réseau de l'IAE, heureusement. Je pense qu'on peut lancer. Du coup, on va choisir les deux plus likés. Donc, vous en choisissez deux en fait. Et puis voilà, du coup, ça fera un petit choix. Un choix. Tac, du coup, les trois thèmes, c'est marketing digital et RSE, deux points paradoxalement compatibles. Enjeux du marketing digital pour les années à venir. La création d'une expérience client responsable et digitale. Donc, c'est bien, on a beaucoup de participation, top, merci beaucoup pour ça. Je pense qu'on est arrivé à peu près à plus que la majorité. Voilà. Est-ce qu'on attend 40? Tout le monde a fait ou pas? Non, je pense que c'est bon. Allez, je pense qu'on peut valider du coup. Ok, du coup, on va commencer par le marketing digital et RSE, de point paradoxalement compatible. Du coup, Lucas, je te laisse la main pour le sujet là. Super, merci. Alors, je dois oublier quelque chose. Vous avez choisi les deux sujets qui m'arrangent. Donc, c'est parfait. Bien, alors. Marketing digital et RSE, paradoxalement compatibles. Est-ce qu'il y en a quelqu'un déjà à qui ça parle ça? Pourquoi est-ce qu'on dit paradoxalement? Non. Je suis sûre que vous avez plein d'idées. Parce que déjà, le terme marketing est clairement dans le but de faire du profit, ouais. Et difficilement compatible à la base avec le développement durable. Ok. Merci beaucoup. Peut-être aussi le digital pollue. Ah, peut-être que l'impact carbone du digital. Ouais. Parce que pour moi, le marketing, c'est de base pour vendre en masse. Et puis, du coup, après, il y a aussi. On cherche à réduire nos modes de consommation. Donc, ce sera un peu différent. Okay. Donc, selon le petit produit, en fait. Ok. Merci. Eh bien, c'est très vrai, les trois. Mais on va regarder un peu plus en profondeur et je vais me permettre de rebondir tout de suite sur la première réflexion qui était de dire marketing et développement durable. Et comme ça, on va tout de suite se mettre d'accord sur les deux termes, si vous le voulez bien, entre RSE et développement durable. On va se concentrer, nous, aujourd'hui, plutôt sur les RSE, qui est la responsabilité sociétale des entreprises. Puisque le développement durable, alors, selon moi aujourd'hui, ce n'est pas une vérité générale, le développement durable convient aux institutions. C'est-à-dire qu'il était du devoir des institutions, de l'État, de favoriser cette transition vers le développement durable, mais ce n'a jamais été le cœur de l'entreprise. D'ailleurs, développement durable ne repose que sur un pilier, qui serait vraiment cette idée de durabilité, et la durabilité passerait sous le joug, comme on le comprend nous, l'environnement.
Et j'aimerais tout de suite écarter et qu'on se base sur les RSE qui, d'un point de vue entreprise, est beaucoup plus pertinent. Et d'ailleurs, un organisme mondial s'est saisi de cette question-là. Est-ce que vous savez qui ? L'ONU, ça parle à tout le monde. Les entreprises, les grandes entreprises, se sont tout mis autour d'une table et se sont dit, bon, on a un devoir quand même par rapport à ça. Mais pas folle la guêpe, c'est pour continuer de vendre. On a un devoir, mais on ne va pas appeler ça développement durable. On va appeler ça RSE. Et donc, il y a des gens qui se sont assis autour d'une table, des grosses boîtes, hein, et qui se sont dit, ok, est-ce qu'on ne peut pas créer un collectif comme une asso qui va poser notre propre cadre? Et ce cadre-là serait une loi douce sur laquelle nous ne serons pas imposés, mais nous allons faire en sorte d'avancer. Et donc ça, ben, ça a créé le Global Compact, qui aujourd'hui a changé de nom, hein, qui s'appelle le Pacte Mondial. Et à l'intérieur siègent des patrons de boîtes ou des représentants, des responsables RSE dans les sociétés. Ça a créé aussi le C3D en France, le Collège du Développement Durable, etc., pour l'intrapreneuriat. Donc super, merci pour cette intervention. On va donc se concentrer sur les trois piliers que composent les RSE et donc effectivement se poser une question de consommation sur consommation en se rappelant que le marketing sert à une chose, c'est de faire du profit. D'ailleurs, c'est de vendre. Hein, nous sommes le premier département le plus proche du service commercial. Nous pilotons cette stratégie et le but, bah, c'est que l'entreprise, c'est de pérenniser l'entreprise. Le marketing a ce but-là. D'ailleurs, la preuve en est, c'est que la plupart du temps, quand une entreprise démarre, il n'y a pas de service marketing. C'est le chef d'entreprise qui a son offre, qui a son produit, il fait ce qu'on appelle nous le product market fit, ça fonctionne, il embauche des gens, et puis au bout d'un moment, soit il embauche quelqu'un en communication, soit s'il connaît un petit peu notre domaine, il se dit il faudrait peut-être que je prenne plutôt un profil marketing pour pérenniser mon offre. Et donc le marketing sert à ça, pérenniser l'offre d'une entreprise. Et donc à ce moment-là, on peut se poser la question de bah, si on gagne de l'argent, est-ce que c'est vraiment RSE ? Alors la réponse est oui, complètement. Parce que le pilier économie fait partie des trois piliers de cette RSE. Et sans économie, il n'y a rien d'autre. C'est-à-dire qu'on peut dire on aime compter les papettes, si on n'a personne pour avancer, il ne va rien se passer. Donc il faut déjà gagner de l'argent. Et ensuite, on voit ce qu'on fait de cet argent. C'est le but même hein, d'une économie. Après, on peut mettre comme l'économie circulaire, l'ESS, économie sociale et solidaire, peu importe. Mais le fondement, c'est gagner de l'argent. Et une fois qu'on a de l'argent, on voit ce qu'on en fait. Et c'est pour ça que je posais tout à l'heure développement durable et RSE, parce qu'en réalité, le développement durable, c'est on trouve des solutions pour la durabilité, alors que le marketing, c'est on trouve du cash, et ensuite, on fait des actions. Vous savez, c'est souvent la question dont on se pose quand on discute avec des chefs d'entreprise, c'est de se dire bah, comment faire de la marque employeur, bien-être au travail, etc. Est-ce que mettre un baby-foot, c'est de la marque employeur? Et on vient se dire, bah oui, mais pour mettre un baby-foot, il faut déjà gagner de l'argent et libérer du temps pour qu'on puisse y jouer et donc améliorer le processus, le rôle du marketing. Ok, maintenant qu'on a écarté ça, on va pouvoir aller. Donc non, c'est pas paradoxalement incompatible, c'est bien évidemment compatible, et c'est de se dire que nous sommes la première unité pour participer à cela. Ensuite, d'ailleurs, est-ce qu'il y en a qui sont dans leur boîte, à la fois sur un profil marketing, vous êtes tous en alternance, il me semble, il y en a qui sont dans des boîtes qui ont un profil marketing plus RSE ? Je vais le dire, ça en cours. Oui, c'est un exemple du coup. Non, mais c'est parce que je travaille dans une entreprise éthique, éco-responsable, en fait. Ok. Et du coup, bah, j'essaye de faire en sorte que mes actions soient plus éthiques, en fait. Et puis, donc, de faire changer un petit peu les choses. Donc, par essence, en fait, dans ta tâche elle-même, doit être RSE. Oui. Si je comprends bien. Et il y avait. Oui. Alors, moi, je suis responsable marketing. Dans la mobilité propre. Okay. Et on est dans cette dynamique justement d'à quel moment on va mettre en place notre caching pour pouvoir ensuite articuler une dimension globale de l'entreprise vers justement des gestions de nos emails, des questions d'abonnés, est-ce qu'on fait une table de ping-pong ou pas, à quel moment est-ce que.
Donc on est vraiment dans cette phase pré-transformation profonde RSE où on est dans cette phase de recherche de cash. Génial, merci pour cet élan qui rentre en cohérence parfaite avec ce que je dis. Alors, on va se recentrer sur le marketing digital et après je laisserai Clément repartir sur les questions. On a parlé marketing et RSE et maintenant marketing digital et RSE. On parlait, l'une des dernières interventions, c'était peut-être que le marketing digital pollue. Est-ce que vous savez combien il envoie de grammes de carbone un mail sans pièce jointe et avec pièce jointe? Alors, c'est entre 3 et 4 grammes par mail sans pièce jointe et entre 9 et 11 grammes avec pièce jointe de carbone. C'est là, on a une vraie question à se poser du coup. C'est de se dire comment est-ce que je peux continuer de faire mon métier, c'est-à-dire un point de touche, marketing par email, pour ceux qui font du marketing B2C, même B2B, l'automation ça marche quand même vachement bien, la mise sous workflow, le but c'est de se dire ok je vais devoir mesurer un intérêt. Et donc pour mesurer un intérêt je dois envoyer des mails. Et dans ces mails il y a quasiment forcément soit des pièces jointes, soit des boutons liés parce que je vais mesurer le taux de clic pour connaître l'intérêt de ma personne. Et ouais, mais du coup, si je veux à la fois capter l'intérêt de mon consommateur, savoir qu'est-ce qu'il aime, et derrière lui proposer les bons produits, je dois accepter d'avoir à charge ce carbone. La question est de se poser, mais alors, si on ne passe pas par le digital, par quoi on passe? On ne peut pas se dire, parce que alors vous savez, je ne sais pas si vous avez suivi, c'est quelle marque qui a fait ça, c'est Lush, il me semble. Qui du jour au lendemain a dit « j'arrête Instagram, j'arrête YouTube ». Il y en a qui peuvent me le confirmer, je crois que c'est le chat. C'est là qu'ils cherchent en même temps sur leur téléphone ou sur leur ordi pour me confirmer ça. Mais il me semble que le, vous savez, les cosmétiques qui font de là dans la baignoire, les produits de bain, du jour au lendemain, ils ont arrêté leur chaîne YouTube, Instagram, ils ont gardé que Twitter, je crois. Et c'est de se dire comment est-ce qu'une marque qui, de base, alors là, pour ceux qui connaissent Lush, on est purement sur du love brand, quoi. Si vous parlez pas à votre consommateur de dire je vais me faire une boule de bain Lush, ils vont pas en acheter, quoi. Là, il y a un intérêt consommateur, il y a un partage, la différence entre storytelling et story living, c'est-à-dire storytelling, on connaît déjà l'histoire de la marque, story living, on la vit, et ben pour acheter du Lush, il faut vivre la marque. Et à partir du moment où on enlève ces points de touche-là, ces points d'action, comment convertir? Donc si on enlève le mail, si on enlève les réseaux sociaux, il ne nous reste plus grand-chose, et en fait, le principe, on revient en fait au physique avec du référencement magasin, des boutiques. Mais c'est comment quand même conserver ce love brand. Ok. Donc pour conclure sur cette thématique que je vous donne comme la réponse, c'est qu'aujourd'hui, en fait, on ne sait pas. C'est pour ça que c'est un sujet qui est compliqué. C'est de se dire comment garder mon consommateur en polluant moins, aujourd'hui, on ne sait pas. Pour autant, il y a quand même des choses qu'on peut faire. C'est peut-être réfléchir à la qualité de la data qu'on va récupérer. Peut-être qu'aujourd'hui, le programme fidélité à tout bout de champ, à vouloir avoir cette data quand on fait un achat, peut-être qu'elle est plus légitime. Peut-être que... pour avoir qualifié cette data, on va plutôt passer par des influenceurs, admettons, qui eux de toute façon drainent leur communauté et récupérer cette data via, alors vous savez, vous avez tous connu les jeux concours, etc., machin. Mais ça émet quand même une difficulté, parce que ça veut dire que la data, elle est sur nos réseaux sociaux, type Instagram, et vous remplacez vos emails de mesure d'intérêt par les sondages en story. Mais ça ne résout pas tout. Pourquoi est-ce que c'est un danger d'avoir sa base data et sa communauté sur un réseau social? Est-ce que vous savez pourquoi? Comparé au mail. Les règles du réseau social peuvent changer du jour au lendemain. Ouais, alors complètement. L'algorithme peut complètement changer. Vous pouvez être bâché tout un coup, ou vous pouvez même subir, n'importe quoi, une panne, un machin, vous perdez 10 000 abonnés. Les gens arrêtent d'aller sur Instagram ou tout simplement l'algorithme vous passe en dernier. C'est assez simple d'ailleurs quand je ne sais pas si vous travaillez des influenceurs, je vais vous donner un petit tip là, mais
quand l'influenceur vous dit ouais, tu peux foncer avec moi pour une campagne et tout, les gens, j'ai un super taux d'engagement, etc. Bon, vous pouvez calculer son taux d'engagement, mais il suffit de regarder, vous vous abonnez et vous faites un refresh sur les stories et vous regardez à l'endroit où il arrive, en fait, dans les petites bulles de story. Et plus il va être loin, bah, moins l'algorithme va l'aimer, tout simplement. Et donc, votre, du jour au lendemain, votre marque, elle peut se retrouver à la dernière des stories, vous suivez 900 personnes, vous êtes à 900e bulle, plus personne ne vous regarde. Donc, en fait, le sujet, c'est ça, vous ne maîtrisez pas votre data. C'est-à-dire, à vouloir trouver une alternative, on perd en qualité parce que le mail nous appartient. Il y a tout le traitement RGPD derrière, enfin, faire attention, vous avez vu dernièrement la sentence dure pour Google Analytics, hein, qui interdisait son usage en Europe. Bon, ils se sont vite retournés, puisque aujourd'hui, si vous êtes vous reconnectez à Google Analytics, faites-le pour voir si vous connaissez déjà avant. Ça a un petit peu changé d'ailleurs, ça amène quelques soucis chez les clients, mais pourquoi j'ai pu mettre à bout de bord ben, c'est parce que tu n'as plus le droit. Et donc, petit à petit, bah, cette data, si elle ne vous appartient pas, Google Analytics est le parfait exemple, bah, vous pouvez perdre en qualité. Donc, il faut juste le milieu. Et donc, voir, bah, c'est cette question, faire du cash, et puis derrière, bah, adapter et peut-être trouver des solutions qui vont non pas réduire votre impact direct, mais peut-être la compenser. C'est bon pour toi, ok. Et bien du coup, est-ce que vous avez des questions sur ce sujet-là avant qu'on passe à un autre sujet? Donc, je rappelle, le sujet c'était marketing digital et RSE paradoxalement compatible. Si vous n'avez pas d'autres questions, vous n'en avez pas d'autres? Non? Je les ai assommés les pauvres. Ok. Et bien du coup, si vous n'avez pas d'autres questions, on va vous montrer un petit cas de la Société Générale. Donc c'est tout à la fin du diapo. Et juste simplement vous demander, pour vous, est-ce que ça, c'est du greenwashing ou pas? Selon vous. Est-ce que vous arrivez à lire ou il faut que je lise? Ils sont en train de lire. Ils sont très concentrés. Ouais. Mais je pense que si tu poses la bonne question, Fallon, tu avais aussi une question. C'est quelle légitimité on apporte à l'IFA? Ok, ben ouais, du coup, c'est, tu peux passer à la slide suivante. C'est plus ou moins, je pense que vous connaissez tous les trucs sur LinkedIn, perte de greenwashing, pour un réveil écologique, etc. Et bon, ben, du coup, il démonte un peu le poste. Et du coup, bon, bah, finalement, on est assez tous sensibilisés parce qu'on a tous vu rapidement la Société Générale, c'est connu quand même pour être un des premiers, selon Oxfam, à financer les énergies fossiles. Du coup, Lucas, on voulait avoir un peu ton avis sur le dessus, parce que c'est vrai que du coup, le débunkage, ça a un intérêt, mais ça a du coup aussi des intérêts qui sont... C'est à balancer, en fait. Lucas, peut-être que tu peux nous aider là-dessus. Ah oui. C'est un bon exemple de greenwashing. Merci pour cette découverte, vraiment, je ne la connaissais pas. J'aimerais mettre en parallèle, en fait, ça, parce que on parle souvent de greenwashing et on en avait discuté, et je pense que c'est important de le mettre en avant. Alors, il y a du greenwashing, comme là, sur des grosses boîtes, mais parfois aussi... on fait des erreurs parce que on expérimente des choses, le monde est en changement permanent et les sociétés tentent des choses. Et alors là, bon, dans ce cadre-là,
c'était une erreur de la communication, ils ont un petit peu, ils ont provoqué la bête, mais bien souvent, en réalité, le consommateur aujourd'hui, parce qu'il a pris le pouvoir, a tendance à faire du bashing, vous le savez, sur les marques. Et j'aimerais vous, si moi je peux vous apporter quelque chose en plus, c'est que derrière toutes ces boîtes-là, il y a des gens qui bossent pour des vrais, ils essayent de faire des vrais efforts. Alors je défends personne et surtout pas la Société Générale. Ce qu'il faut surtout se dire derrière, c'est que l'erreur arrive. Et vous connaissez peut-être les comptes, alors pour le coup c'est pas du greenwashing, c'est un petit peu, mais c'est quand même du bien-être au travail. Peut-être balance ta start-up, balance ton agence, balance ton bar. Toutes ces choses, tous ces comptes sur Instagram que vous suivez peut-être, qui balancent sous aucun prétexte. Hein, et attention ici, et c'est là que je vais vous mettre en garde, c'est que il faut pas que ça soit de la diffamation. Donc là, c'est très bien, et ça, vous pouvez suivre Père de Greenwashing ou Point Écologique. Mais sur les autres pages, attention à pas tomber dans le balance pour balancer. Parce que vous savez combien c'est difficile d'avoir une notoriété et combien c'est facile sous le prétexte d'une ou deux personnes qui vont dire quelque chose de tout rafler ce qu'une société a mis des années à construire. Donc il faut faire la différence, et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'aimerais vous mettre en garde. C'est pas pour dire attention, balancez pas n'importe quoi, c'est surtout pour, en tant qu'étudiant et en tant que consommateur, se dire qu'il faut faire la part des choses, toujours avoir un recul. Est-ce que ça, c'est vraiment du greenwashing, comme le cas ici? Mais en même temps, c'est du greenwashing d'une grosse boîte, donc on s'y attend un peu. C'est-à-dire que pour elle, la transition, elle va se faire, mais elle va prendre 40 ans, 50 ans, ils peuvent pas d'un coup comme ça claquer des doigts. Mais ça en reste quand même, et la différence entre quelqu'un qui a fait une erreur, parce que ça peut arriver, c'est possible, et votre devoir en tant que sachant, si je peux me permettre, et de consommateur aguerri, c'est de savoir faire la différence. Donc oui, effectivement, c'était un très bon exemple, et il faut savoir aussi prendre le recul là-dessus. Et est-ce que j'ai des idées de greenwashing comme ça? J'en vois pas trop, moi. Ah si, des choses qui peuvent facilement être du greenwashing quand même, c'est mettre du verre sur les packaging, par exemple. Ça, c'est du... Bon, ça, pour le coup, ça reste du greenwashing. C'est qu'à un moment donné, ils se sont plantés dans la matrice, quoi. Vous avez peut-être vu, alors, ou alors tout ce qui se fait passer pour du naturel, les nouvelles tendances des tablettes au chocolat qui sont faites au lait d'amande, je ne sais pas si vous avez regardé un petit peu ça. Il y a de plus en plus de marques, notamment Poulain, etc., qui lancent des tablettes de chocolat au lait végétaux. Sauf que pour que ça tienne en chocolat, il n'y a pas que du lait dedans. Et on a tendance à mettre des couleurs pastel, etc., pour faire passer une espèce de mise au green. Et ça, c'est du greenwashing, parce que aujourd'hui, tout n'est pas solution. Hein, c'est pas parce qu'on enlève le lait de vache que le lait d'amande est une solution en chocolat. Et donc ça, c'est intéressant à faire le comparo. Merci. Est-ce que du coup, il y a du monde qui a des questions sur ce sujet qui est assez dense quand même? Ouais, moi, j'aimerais juste revenir sur quelque chose. Tout à l'heure, vous avez dit, si on compense à côté, c'est bien. Mais là, bon, ça enlève la période de 2019. Enfin, c'est sur une période beaucoup plus large, mais ils ont peut-être moins un tiers de faire la compensation. Alors je ne suis pas juge d'application des peines, mais en fait, alors ça c'est, alors là on rentre dans mon avis personnel et plus dans la conférence, mais effectivement sur des boîtes comme ça qui brassent des milliards et qui ont un fonctionnement derrière, ce qu'il faut dire, c'est que c'est des gens qui essaient de trouver des solutions, et ces gens-là ils sont pas au bord. Les boards, c'est d'autres sociétés entre elles, des actions, des machins, des trucs. Et les gens qui essaient de faire avancer les choses, ils mettent en place des choses comme ça. Ils se disent, ça va peut-être changer au bout d'un an. Donc voilà, je pense que ça peut répondre à ta question. Oui, il y a du mieux. Il faudrait que ça aille plus vite. Ça, c'est sûr. Il nous reste 3 ans, visiblement. Mais sur des grosses boîtes comme ça, il est compliqué de... Ou alors, il faudrait les faire venir. Il faudrait essayer de les faire venir pour savoir ce qu'ils en pensent. Mais c'est compliqué d'avoir un avis vraiment objectif là-dessus. Non, mais je parlais pas de cette boîte, je parlais de... Est-ce que financer à 10 millions quelque chose de pas bon, et financer à 10 millions quelque chose de bon, je sais que j'aurais dit, pour vous, ça reste de la RSE, quoi.
pour rebondir, hein, c'est l'exemple de toutes les boîtes qui plantent des arbres et puis qui dépensent voilà, dans des énergies fossiles, etc. C'est exactement la même chose. Ça, ça s'appelle quoi? C'est du greenwashing ou pas? Alors, oui, c'est du greenwashing. Sur le. Il est blanc. C'est ça. En fait, je pense que c'est le moins pire du mieux ou le mieux du moins pire. Mais en fait, il faudrait que ça change plus vite. Alors, sur d'un point de vue consommateur, oui, ça peut être du green, c'est du greenwashing. Et après, se poser la question, est-ce que c'est des services qu'on peut se passer ou non en tant que consommateur? Là, on parle bien de marketing, on parle bien de marketing, c'est-à-dire de comment on va vendre son produit, quel qu'il soit, ou son service, en communiquant sur ça, ou pour d'autres qui communiquent sur une manière de pouvoir limiter leur impact. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on le voit, c'est pour ça que je prends l'exemple de 1% for the Planet avec Nike, par exemple, qui finance, et je dis, on pourra en reparler, parce que pour moi, on est sur la limite de, ouais, c'est un peu aberrant en fait, l'industrie du textile et ce qui s'y passe et derrière ce qu'ils essayent de faire. En fait, je pense que, et ça mérite en plus de profondeur, c'est de se dire pourquoi est-ce qu'ils le font réellement. Est-ce que c'est un aspect purement marketing et communication? Ou est-ce que c'est une vraie volonté de changement et que c'est en cours? Et à ce moment-là, on peut pas être sur le même degré. C'est soit l'entreprise, elle essaie de faire quelque chose d'un peu mieux, et parce qu'elle est en transition, soit c'est parce qu'elle veut simplement un argument type consommateur, et à ce moment, mais c'est quasiment impossible en fait à détecter, surtout sur des boîtes comme ça. C'est pour ça que si je peux me permettre, j'ai un petit peu extrême, mais j'ai tendance à dire autrement que greenwashing is dead. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a eu une période où c'était bon pour le marketing, où c'était bon pour la vente, parce que c'était différenciant d'avoir une approche type green, où on rajoute un petit peu là, dans une Nike, et que finalement on a une chaussure écolo. Ouais. Aujourd'hui, les initiatives, elles sont réelles en fait. Et la Société Générale, on peut les lâcher tant qu'on veut. Effectivement, ils sont probablement implantés avec les plus gros fournisseurs d'énergie fossile. Mais il ne faut pas oublier que c'est le monde duquel on vient. Bien sûr. Notre confort de vie, notre réalité, de mode de vie, de marché, qui provient de cette économie-là. Et aujourd'hui, les initiatives, on ne peut pas leur demander de quoi. Bien sûr qu'on a envie que ça change tout d'un coup, qu'on n'a plus envie de voir des maisons qui se construisent, on n'a plus envie de tout ça. Mais ça prend un certain temps parce qu'il y a des réalités de marché. Et donc, j'ai envie de dire greenwashing is dead parce que les initiatives, elles sont réelles. Alors, après, le coup de c'est l'adaptation de marché aussi. C'est l'adaptation de marché à un changement d'alimentation. On va plutôt vers quelqu'un qui a besoin, par exemple, de ne pas manger du lait déjà. Et c'est au-delà de juste se dire, tiens, je suis moins dépendant des bonbons dans ce site. Parce que les gens, ils ont envie de s'acheter une tablette de chocolat à la avec pour pouvoir manger parce qu'ils sont pas. C'est pas le vache de problème, c'est le chocolat en lui-même. Oui. Pour le coup, c'est plus le chocolat, oui. Je suis entièrement d'accord. Et c'est pour ça que, alors tu le disais, on peut y venir, alors ça sera plutôt sur le deuxième thème en fait, ces sujets-là, mais qui sont de dire qu'aujourd'hui le consommateur ne demande pas simplement un effort factuel ou quoi que ce soit, mais il demande vraiment à la fois de la transparence et une cohérence. Ce que j'essayais de transmettre, c'est de dire ok, la transparence, ça pourrait être une première étape en fin de compte, et puis une cohérence derrière, c'est-à-dire la mise en action et la preuve de cette mise en action. Parce qu'une mise au green aujourd'hui ne suffit plus pour avoir cet élément différenciant, hein, et c'est tout ce que tout le monde recherche en marketing, cet élément de différenciation, hein, on évite l'identification. Et donc la différenciation, elle passait encore pas quelques années, mettre du vert, mettre un logo, un machin, un truc, et puis aujourd'hui ça va plus loin, ça demande cette cohérence, cette adaptation, l'attente d'adaptation pour le consommateur, et puis bien évidemment la preuve de ce qu'il faut. Mais c'est en transition, je pense, et j'ai beaucoup d'espoir dans l'avenir par rapport à ces choses-là, que ce soit des grosses boîtes ou des plus petites. Les plus petites pourront impulser et les plus grandes devront suivre. Est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre qui voulait rebondir, ou est-ce que j'ai répondu à la question, ou est-ce que vous voulez qu'on... Non, parce que je pense qu'on pourrait... On pourrait... Mais le deuxième thème... Mais on pourrait revenir sur le deuxième thème, parce que le deuxième thème est en accord avec ça. Il y avait quelqu'un qui a une main levée. Est-ce qu'on a la réponse de la Société Générale? Parce que
Ah, je sais pas. Je voudrais juste rebondir sur ce qu'on a dit avant, parce que je pense que ça comprend aussi un peu une sorte de responsabilité du consommateur, dans le sens où, moi je travaille dans une grande société industrielle, donc on a bien conscience de toute cette problématique-là, on a conscience que nos produits ne sont pas green, et dans leur production pas vraiment non plus, mais pourtant on va vers le changement, et on va dans cette dynamique-là. Mais du coup, on sait que l'essence même de notre métier, c'est pas ça, et Société Générale le dit aussi. Donc comment est-ce qu'on responsabilise aussi le consommateur vis-à-vis de ça, en montrant qu'on fait des actions, qu'elles ne sont pas significatives, mais parce qu'à la base, on ne vend pas des vélos électriques. Donc c'est ce juste milieu-là qui est aussi à prendre en compte, et je pense que ça vient de nous aussi. Parce que, en fait, c'est ce qu'on déteste en marketing, enfin ce qu'on déteste, non, on ne déteste pas ça, mais c'est ce qu'il y a de plus dur, c'est l'éducation du consommateur. Il est beaucoup plus simple de parler, de faire du marketing sur un produit dont on n'a pas besoin d'éduquer le consommateur, parce que ça prendra moins de temps. Et effectivement, il y a des boîtes, alors moi-même, avant ça, avant les boîtes, etc., je vous laisserai deviner mon âge, si vous voulez. Avant ça, j'étais responsable de groupe dans une boîte dans l'industrie, où on faisait des web technologies et des machines spéciales pour la mesure et contrôle d'autres industries. Et clairement, c'était pas green, quoi. On prenait des capteurs, des capteurs sur mesure, on produisait des machines de contrôle pour les plus grosses boîtes qui polluent. Et c'est de se dire, bah, on a quand même une activité qui est pas top, on a conscience que... Et en plus de ça, c'est des machines spéciales pour réduire le travail des autres, c'est-à-dire que bah, c'est du licenciement derrière, parce qu'on fabrique des machines qui monitorent les machines, c'est-à-dire le travail humain. Et on s'est dit, merde, faut quand même qu'on fasse un truc. Et on a conscience que, bah ouais, on peut pas arrêter le progrès tel qu'il est là, la machine est lancée. Pour autant, on peut faire des actions. Et on a commencé, la toute première qu'on a fait, c'est bête, hein, on recevait des milliers de câbles électroniques dans des sachets plastiques. Et c'était aberrant, parce qu'on les recevait dans des énormes cartons, et on les recevait tous dans des emballages individuels. Premier coup, on appelle le fournisseur, on lui dit, bah là, il y a un problème, pourquoi il y a autant de sachets de plastique dans nos cartons? Et on dit, bah c'est parce que c'est comme ça, ça sort d'usine, on dit, bah ok, nous on veut bien continuer de travailler avec vous, mais on a une charte RSE, et notre charte RSE implique que nos fournisseurs respectent notre charte. Et dans notre charte, il y a la réduction des déchets. Et donc on leur a obligé, alors vous ne pouvez pas tous le faire, on est un gros client, mais on leur a obligé à nous envoyer tout dans un carton, dans un seul gros emballage. Et on a réduit considérablement nos emballages. Alors avant ça, on les réutilisait quand même, mais on a fait ce genre d'action. On a mis... on a fait des trucs qui sont pas... qui peuvent sembler insignifiants, mais on a aidé un apiculteur en parrainant 400 000 abeilles, je crois. Et en fait, petit à petit, et ça peut... Et là, clairement, tu dis, parrainer une ruche ou parrainer... T'es clairement dans le greenwashing. En tant que consommateur, tu peux dire, attends, il ne souhaiterait pas un peu de moi, quoi. Sauf que derrière, bah, si on ne le faisait pas, qui le ferait? Et donc, des fois, quand on améliore le processus, bah, ça passe par des petits éléments, et c'est des petits éléments qui font des énormes avalanches. C'était pas une obligation, hein. C'est non, efficace, c'est pas tout comme ça. Je pensais que ça allait se passer, mais comment c'est pas du tout viable vis-à-vis des deadlines qu'on a, et on peut pas, c'est comment... les grosses boîtes, on va dire que le changement est plus compliqué que sur les petites, c'est pour ça, c'est pour ça. C'est pour ça. Mais c'est aussi qu'on a plus de budget, la plus grosse boîte. Après, il y a ça. Alors, parce qu'une petite boîte, c'est plus flexible. C'est-à-dire qu'elle peut s'adapter plus rapidement. Alors, cette capacité, c'est en ça qu'une start-up est intéressante, c'est qu'elle a une capacité à rebondir. Une grosse boîte, alors je vais contre-caturer mon exemple parce que j'en ai un autre là en tête, qui est Nestlé. Bon, Nestlé, on peut en penser ce qu'on en veut, hein. On n'est pas sur le contrôle qualité de leur usine, mais plutôt sur leur application au sein du Global Compact.
Et ils ont, dans leur charte RSE, dit que tous leurs fournisseurs devaient respecter le cadre du Global Compact. Alors, d'ici, je ne sais plus quelle année, peut-être 2030 ou un truc comme ça. Et pour tous les fournisseurs qui ne respecteraient pas les engagements du Global Compact, ça part. Ça pourrait être un exemple d'une grosse boîte, mais qui là force plutôt ses fournisseurs en amont pour elle derrière être plus propre. Après, ça, on pourra en discuter. Mais forcer les plus petites structures qui, elles, s'adaptent plus rapidement, d'un point de vue économique, c'est logique. Forcer les plus petites structures qui peuvent s'adapter plus rapidement à respecter un cadre. Donc oui, je suis d'accord, il faudrait que les grosses boîtes s'y mettent. On me fait signe de rester par là, mais je bouge beaucoup, c'est un défaut. Et encore, je sais qu'il faut le respecter, sinon je bougerais, je montrerais les marches comme ça, mais je ne peux pas. Et donc oui, il faudrait que sur les grosses marques, ça serait... Mais si vous avez des idées... On les note et on leur envoie. Pour les grandes entreprises, pardon, le problème, c'est que là, les fournisseurs, certes, ils s'engagent avec la charte et tout comme ça, sauf que le problème aussi, c'est les matières premières. Parce que lorsqu'on est dans le secteur industriel, on manipule des matériaux rares qui sont chers, mais et qui sont de plus en plus rares. Et du coup, c'est vraiment cette disponibilité-là. Et les fournisseurs, certes, s'engagent à respecter la charte, mais derrière, c'est pas suffisant. Et nous, on a besoin de ces matériaux-là pour créer des produits et qui sont vendus après partout dans le monde. Et du coup, alors là, deux éléments. Bon, ça vous passionne, ce sujet, tant mieux. Premier élément, j'ai commencé tout à l'heure, tu sais, dans l'introduction, j'avais marqué l'évolution du marketing, où en fait, on partait du principe que l'offre crée la demande. Et aujourd'hui, c'est la demande qui crée l'offre. Donc, tant que le consommateur consommera, l'entreprise ne changera pas. Ouais, mais quand même, on a parlé d'éducation du consommateur. Et du coup, on a parlé d'éducation du consommateur. Mais est-ce que c'est... Là, la vraie question, alors on retourne dans un fondement philosophique. Est-ce que c'est le rôle de l'entreprise d'éduquer... Sauf erreur de ma part, ce que vous avez dit tout à l'heure. Oui. En fait, il y a une impulsion à avoir de la part des entreprises, mais je pense que la stratégie du développement durable doit être institutionnelle. C'est-à-dire que le vrai changement profond doit être étatique. L'entreprise a un devoir, ok d'éducation, mais avant tout de gagner de l'argent. Parce que si elle gagne plus d'argent, elle ne peut plus éduquer, parce qu'elle ferme. Donc en fait, il y a le juste milieu, et on se confronte aujourd'hui à un problème, qui est que l'adaptation politique et l'adaptation de l'entreprise, il y a un décalage. Ça a toujours été, l'entreprise a eu toujours 10 ou 15 ans d'avance sur... D'ailleurs, c'est les entreprises qui se sont saisies d'abord du sujet du développement durable, avant même qu'on ait les grands sommets Kyoto, les entreprises se posaient déjà des questions sur ces éléments-là. Et donc, pour le consommateur doit donc changer ses habitudes de consommation, ou alors l'entreprise doit trouver des solutions, éduquer ou trouver des solutions. Et là, du coup, j'ai une bonne nouvelle, notamment pour les voitures électriques, parce que vous savez que les batteries sont en lithium. Et tu as une matière rare, etc. Mon recyclage, enfin, moi, ça va bien. Mais BMW a une bonne nouvelle. Il y a des gens qui bossent chez BMW. Alors, je vais saucer BMW. Ils ont inventé des batteries électriques récemment qui vont être en circulation sans lithium. Donc, déjà, sans lithium, c'est une bonne nouvelle. Et au-delà des sans lithium, sans. Métaux rares, précieux, machin, tout ce qu'il y a dans les mines. Une batterie, alors pas verte, même si en fait ils ont réussi à la rendre 100% recyclable, et ils sont allés encore plus loin, c'est qu'aujourd'hui les batteries de voitures, elles sont bonnes entre 70 et 80% de leur efficacité, ce qui pose un vrai problème parce qu'en fait en dessous on doit les jeter, sauf qu'elles ne se recyclent pas. Et eux ils ont dit ok, on n'a pas de lithium, elle est 100% recyclable, on va aller encore plus loin, notre batterie, au lieu qu'elle soit faite en un seul bloc, on va la diviser en 10 blocs, donc avec des blocs de 10% chacun. Et quand votre batterie arrive aux 70%, on va retirer les 3 blocs qui font les 30%, on les reprend pour les recycler, et on vous remet 30% pour refaire une batterie à 100%. C'est les premiers à faire ça. C'est quoi la matière? Alors, je sais pas. C'est qui qui a posé la question? Je sais pas quelle est la matière qu'ils vont utiliser. J'ai pas de capacité en ingénierie en voiture, mais ça serait intéressant de se poser la question. Et c'est des voitures qui vont être bientôt en circulation. Et à mon avis, vu la pénurie de composants, on va devoir attendre quelques années. C'est un vrai sujet aussi, la pénurie de composants, mais qui aussi dépend du développement durable. Donc voilà, les deux, c'est qu'il faut avoir à la fois un besoin d'éducation, dans quelles limites dans l'entreprise, c'est-à-dire jusqu'à quel point ils peuvent financer,
parce que ce temps, c'est de l'argent. C'est-à-dire le temps on éduque, on s'assoit sur de la vente. Et donc, sur ce temps-là, bah, comment est-ce qu'on fait pour le financer? Soit c'est finançable par d'autres produits, soit ça ne l'est pas. Et si ça ne l'est, bah, tant mieux. Si ça ne l'est pas, comment est-ce que le consommateur peut, lui, changer ses habitudes de consommation ou l'État rentre en considération ou trouver, niveau R&D comme BMW, des solutions intéressantes. Mais je pense que les grosses boîtes se sont déjà sur ces jeux depuis un certain temps. On ne peut pas éduquer les consommateurs. Moi, je me dis, un consommateur qui a des moyens, il pourrait s'éduquer d'autant plus que s'il n'a pas des moyens. Parce que là, quand on parle de la bonne nouvelle pour BMW, moi, je me dis que ça ne va pas, mais ça ne va pas concerner dans un an. Comment on peut éduquer un consommateur avec plus d'argent ou est-ce qu'on garde son complètement de cette dernière facette, là, l'euro? Comment on peut faire? Alors, c'est une question qui me met en difficulté. Alors, au-delà, mon côté chef d'entreprise me dit que je construis mon offre par rapport à ma cible et ma cible est dans une catégorie ou non acheteuse. Et c'est vrai que quand on pense ça, on ne pense pas aux autres catégories de consommateurs. J'ai chopé froid en plus. Donc bah, la réponse c'est je pense que si le consommateur de BMW n'a pas le budget, il n'achètera pas de toute façon. On en revient à ça depuis tout à l'heure, c'est de se dire bah, qui peut le faire à la place. Et ça peut être l'État avec le bonus écologique par exemple, où là l'État va venir financer. Et c'est pour ça que je pense que le développement durable est une mission d'État, parce que l'entreprise ne pourra pas rendre accessible son produit tant qu'il n'aura pas diminué, parce qu'il y a une économie d'échelle à avoir sur les R&D. Il faut déjà financer cette R&D qui perd depuis des années vers un produit plus vert. Et donc il y a forcément, effectivement, je pense que sur les nouvelles technologies du moins, pas les, forcément les études de consommation qui ne coûtent pas foncièrement plus cher. Aujourd'hui, consommer local, ça ne coûte pas forcément plus cher. Et là, on peut éduquer les consommateurs, notamment avec des pubs télé, etc. Les journalistes, d'ailleurs, j'espère, seront plus concernés sur ces thématiques d'ici les prochaines années. Mais sur les produits qui demandent une innovation technologique, je pense qu'effectivement, le panier moyen sera trop élevé. Mais c'est en même temps l'essence de l'entreprise, c'est de proposer un prix qui lui permette de vivre et de justement financer d'autres projets de R&D qui seront à l'avenir plus chers, mais dont celles-ci deviendront accessibles. Ce qui s'est passé, alors qui n'a rien à voir avec de l'RSE, mais avec par exemple la marque Duster, Renault étant un parfait exemple d'échec successif marketing, qui est de se dire qu'ils ont rarement sorti une voiture en négociant avec leur marché. Est-ce que vous savez pourquoi, pour qui Duster était concerné à la base? La marque Duster, hein, vous savez, c'est le groupe, c'est Renault. Hein. Qui était la cible Duster à la base? C'était pas pour la France déjà, à la base, elle n'était pas disponible en France. Pour la Roumanie, non? Ouais. Alors, ils sont partis du principe de dire que ben, leurs technologies ont avancé, mais ils ont toujours les lignes de production. Et donc, les voitures coûtent quasiment plus rien à produire. L'exemple, dans quelques années, BMW avec leur nouvelle batterie. Et ils se sont dit, ben, au lieu de démonter, on va les garder, on va continuer de produire des voitures. Sauf que ces voitures seront moins chères. Parce qu'on a déjà rentabilisé notre coût des R&D. Et donc, ils se sont dit, ça ne va pas intéresser un marché français. Ils se sont trompés, mais on va aller sur le marché roumain. Sur les constructions, les chantiers, etc. C'est une voiture où on peut charger, on peut faire pas mal de choses. Elle sera pas chère. Sauf qu'ils oublient un truc. Qu'est-ce qu'ils ont oublié? Une loi fondamentale du marketing, d'ailleurs. La demande. Et la demande, c'est quoi en Roumanie, quand on achète une voiture neuve? Ou pas neuve, d'ailleurs. Le statut. La marque. Comment? La marque, le statut social d'acheter, ouais. Couplé à un modèle de véhicule. C'est un achat où on se dit je possède un véhicule parce que ça montre ma catégorie sociale, qui n'est pas le même usage qu'en France en fait. Et personne du coup voulait acheter une Duster à partir de 11 999 euros. Les Français ont dit, ouais, mais ça m'intéresserait bien parce qu'une voiture neuve à 11 990 euros, ça pourrait me,
ça pourrait me plaire. Bon, ça n'avait rien à voir de marketing digital ni de RSE, mais c'était intéressant pour mettre cette économie d'échelle et ce coût du R&D à amortir. Ok, est-ce qu'il y a d'autres questions sur la partie greenwashing, RSE? Démarre notre prochain sujet. Et vous m'avez... Bon bah du coup s'il n'y a rien de... s'il n'y a pas de questions en plus, on peut passer au sujet d'après. Du coup la création d'une expérience client responsable et digitale. Alors à nouveau je posais la question, qu'est-ce que ça vous évoque, qu'est-ce que vous pouvez en penser, qu'est-ce que vous avez peut-être derrière la tête vu que vous avez potentiellement choisi cette thématique. Pour moi, ça a l'air d'être un peu le graal d'une entreprise, c'est-à-dire on a expérience client qui est finalement la désirabilité et la capacité à transformer un prospect en client, responsable, donc avec l'aspect aussi respect de l'environnement, et digital avec toute la puissance potentielle du digital qui est l'industrialisation, qui est la massification, la capacité à créer quelque chose aussi qui rentre dans, voilà, par les sciences de l'informatique, par créer quelque chose de, à la fois d'extraordinaire et, puis de, et qui peut être distribué partout à très moindre coût. Et puis avant ça, c'est quoi une expérience client responsable en fait? C'est quoi la définition d'expérience client responsable? Quelqu'un? Et je prends, hein, je garde et. Oui, bah, seul, il y a au moins des tables possibles. Il n'y a pas de nurturing, il n'y a pas de roleplay, il n'y a pas de. Ah, il n'y a pas de nurturing. Là, on a une capacité à convertir sans nurture. Ok. Quelqu'un d'autre? Alors, pour toi, ça serait le moins d'étapes possibles. Tu peux expliquer si tu veux, Lucas, parce que le mot nurturing, je n'ai pas compris. Le nurturing, c'est la mise sous couveuse de votre prospect, c'est-à-dire un point de touche, deux points de touche, trois points de touche. Il ne se passe rien. Qu'est-ce qu'on en fait? Il a quand même provoqué un intérêt. Je vais donc le garder. Et le nurturing, c'est. Alors, tu me dis si ce que tu voulais partager. Hein. En tout cas, moi, je le vois comme ça. C'est cette mise sous couveuse, c'est-à-dire, bah, ah, un jour, à force que je lui envoie de la newsletter, par exemple, il va acheter. Donc on réduit le temps d'achat en fait. Pour moi, expérience client responsable, c'était justement tout à l'heure, je parlais d'éducation des consommateurs. Peut-être ce moment-là, après cette expérience, pour peut-être éduquer les consommateurs. Ouais. Ok. Donc dans l'étape processus de commercialisation, une étape d'éducation du consommateur. Ok. Beaucoup de valorisation de son action. C'est-à-dire que non seulement on l'éduque, mais on l'éduque en lui disant que naturellement, il vient d'accomplir quelque chose qui est bénéfique. Bon, je n'ai pas d'exemple, hein, mais par exemple, en cliquant sur ce lien, vous avez... voilà, ça donne une espèce de dire, tiens, merde, pour une fois, et ben, j'ai réagi à quelque chose que je sais qu'on est en train de me force filer une information, je n'ai pas forcément envie d'acheter, mais peut-être, je ne sais pas. Donc, si je résume, on met une carotte au consommateur devant lui pour dire l'achat est responsable parce qu'il y a une action responsable derrière. Je provoque un peu. Ouais, provoque, si c'est pas aussi ok. je ne sais pas si je veux parler de carotte Par contre, je ressens ça vraiment comme quelque chose de soulageant à l'intérieur et on n'a pas l'impression d'être en train de déranger son environnement. Ah, c'est une catharsis. C'est une catharsis, tout à fait. C'est une possibilité dans toutes les agressions du quotidien de dire alors cette fois-là, finalement, bah, c'était pas si mal. Non, mais oui, c'est sûr. Si on se dit qu'en tout temps, on est en train de faire quelque chose de mal, c'est qu'on est pas mal informé sur le sujet et on sait que la meilleure chose à faire, c'est de ne pas acheter. Si on est mieux à faire, on n'en a pas besoin, parce que si
J'aimerais bien détacher l'expérience client de forcément un clic sur une newsletter. Ouais, ou sur quoi d'autre hein. Bah, il y a plein de trucs. Un mail. Non, mais à la vie, c'est pas juste derrière son ordinateur. C'est une expérience client responsable, ça peut être plein de choses. À partir du moment où on achète quelque chose, c'est plus qu'on va digital. Digital. Ah, et digital. Ouais. C'est-à-dire qu'on passe par. Oui, mais attends, même si tu n'achètes pas directement. La définition de responsable. Non, mais c'est bon, c'est on prend tout. Hein. Après, client responsable digital, la boule par exemple, tu as quelque chose moins en te disant, bon, écoute, j'ai pas pris un avion pour y aller, ou alors j'ai fait une visio, et finalement, bah, j'ai pas pris l'avion, j'ai pas été manger dans un resto où c'est pas du tout alors que j'ai essayé de faire ça, c'était plaisir. Et voilà, donc il y a aussi ce côté. Long range et immersif de la 3D aujourd'hui qui peut être hyper intéressant dans les expériences. On est presque sur. Alors ça tombe bien, ça va introduire ce que je voulais dire. Ah, il y avait quelqu'un qui avait encore une question. Juste là. Dis-moi. Après, je pense que c'est important de faire la distinction entre la vente de produits et de services. Ouais. Du coup, moi je travaille sur le domaine cyclable de la rivière. Et du coup, c'est vrai que nous, l'expérience client, ça va vraiment être l'achat avant, mais aussi la vie sur le domaine. Et nous, la partie responsable, ça va être plus le respect de l'environnement et tout ça. Mais c'est vrai que je pense que c'est important aussi de faire le distinguo entre le service et le produit tel qu'il est, si c'est totalement différent. Enfin, c'est la nature, en fait, du produit, ouais. Que ce soit un bien ou un service. Ouais. Plutôt entre peut-être le parc soit client et l'expérience de consommation du produit ou du service. Ah, c'est pas la même chose. Oui, bien sûr. Bien sûr. Là, on condense. Parce que sinon. Mais après, on peut passer la nuit, ça fait plaisir. Je me suis bien déplacé. Alors. J'ai envie d'introduire sur la notion du désir, si vous me permettez, du consommateur. C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'on achète ? On va remonter tout début. Et on va se dire, ok, le marketing, donc que ce soit expérience client, digital ou pas digital, parcours client, parcours d'achat, ce qu'on veut, le marketing, c'est quoi ? C'est une réponse à quoi ? Un besoin. Réponse à un besoin. L'intégration d'un produit d'un service sur un marché pour répondre à un besoin. Ok. En fait, je vais le simplifier pour dire. On intervient, à quel moment nous intervient ? On intervient sur une réponse à un désir. On va venir combler un manque chez le consommateur. En tout cas, c'est plus simple que ça. Le consommateur va... Alors on va pas rentrer dans du Schopenhauer, mais si ça pourrait être avec plaisir. Pour osciller entre ces deux parties de la vie et se dire, bah, nous on répond à la fois à l'ennui, qui est le manque de quelque chose, et puis au désir, qui est lui aussi le manque de quelque chose. Et donc en fait, notre boulot, c'est de répondre à un manque. Et c'est pour ça que je posais la question, et c'est toujours ce que je commence quand c'est le 1er septembre et que j'ai mes élèves. Je commence par leur poser la question de est-ce que le marketing crée le besoin ou pas. Et j'aime bien ce qu'en général, c'est un déchirement. Et je prends un exemple un peu caricatural, et je dis, vous savez... Quand on dit qu'Apple, par exemple, crée le désir, vous force à acheter un téléphone, en réalité, si on le prend d'un point de vue purement entreprise, ils ne font que répondre à un besoin qui est, pour vous, suivant votre comportement de consommateur en tant que tel, va être un besoin changeant, mais ils répondent à un besoin. Alors, le besoin fondamental d'un téléphone, c'est quoi ? Alors que ce soit téléphoner, aller sur Internet, etc., en fait, c'est l'interaction entre moi et le monde. Il y a
quelques années, dizaines, centaines d'années, on envoyait des pigeons, et puis il y avait des signaux de fumée aussi. Après, vous faites ce que vous voulez. Moi, je trouve que le téléphone, c'est bien plus pratique. En fait, ce que je vais vous dire par là, c'est qu'on répond à un besoin qui existe, qui est ancré, puisqu'on n'est pas capable de créer un besoin, on peut créer une habitude de consommation. Et c'est là où rentre l'éducation du consommateur, c'est-à-dire on part de l'attitude positive, négative de notre consommateur, s'il est négatif, pourquoi, comment faire pour qu'elle change, et le faire aller sur des nouvelles habitudes de consommation. Je vais venir à votre thématique. Hein. Mais vous n'allez pas créer ce besoin. Fondamentalement, en 2022, on répond à l'intégralité des besoins qui existent, sauf peut-être sur le domaine de la santé, où on ne rentrera pas là-dessus parce que c'est un domaine qui est un petit peu différent et on n'a pas les réponses à tout. Mais sur les autres besoins, et c'est là que j'ai aimé en fait le casque de réalité virtuelle ou de réalité augmentée que tu as dit tout à l'heure, c'est de se dire, enfin l'exemple était intéressant, c'est-à-dire je peux faire voyager un consommateur alors qu'il est, alors vous ne connaissez pas la toison d'or, vous n'avez pas déjeuné. Si, on l'a dit. Vous connaissez la toison d'or, centre commercial 4 étoiles. Oui, il y a un Apple Store, du coup. Et vous proposez en plein milieu une cabine d'essayage de réalité virtuelle ou tout ce que tu veux, et de se dire, bah, ok, je vais t'emmener au Japon. Effectivement, tu réponds à un besoin qui pourrait être un besoin de s'évader ou quoi que ce soit, c'est-à-dire, est-ce que c'est pour avoir la capacité de s'évader, il faut nécessairement partir Et en fait, on va venir remplacer ça, mais en fait, on répond toujours à un besoin qui existe, qui est ancré, et c'est pas parce que tu crées un test de réalité augmentée virtuelle que tu vas créer un besoin. Juste, tu réponds à un besoin qui est déjà répondu d'une manière différente. Et c'est ce qui fait que ton produit va marcher ou pas, d'ailleurs, parce que si tu crées un produit qui n'est pas du tout en adéquation avec ton offre, bah, qu'est-ce qui va se passer? Bah, ça va pas se vendre. Des produits qui sont en avance sur leur temps, qui fonctionnent pas. Un bon exemple, à notre petite échelle, quand on a lancé Break, on avait lancé des capsules de café compatibles Nespresso 100% biodégradables en amidon de maïs et canne à sucre made in France fait à Toulouse. Et c'était de se dire, on met du café et du CBD dans une capsule et on est sûr que ça va marcher. En plus, une capsule durable, machin. Voilà, on avait fait un partenariat avec une fondation. L'exemple typique. Du produit vert, responsable, etc. Et puis, ben, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché parce que on était en avance. Ça commence, ça n'a pas marché quelques mois. Hein. Le marché du CBD en France explose. Si vous suivez un petit peu ce qui se passe, chiffrez les ça, hein, à peu près 22 milliards d'euros d'ici 2023 en Europe. C'était de se dire, ok, c'était à peine légalisé, etc. On a lancé ça. Et en fait, on était carrément en avance parce que les magasins, c'est-à-dire les gens, nos distributeurs qui devaient acheter nos produits et les revendre, ne les voulaient pas. Et quand ils voulaient, ils ne les vendaient pas. Parce qu'en fait, on répondait à aucun besoin sur le moment. C'était pas... Enfin, si, on répondait à un besoin, on pensait répondre à un besoin, mais on s'était trompé. Et puis ben là, petit à petit, que le marché est venu, on est sur cette notion d'éducation, hein, du coup. Alors c'est un marché qui s'est éduqué très rapidement sur le CBD, parce qu'il y a des lobbying assez puissants hein, dans la pharma, on dira pas qui. Et donc petit à petit, et là on voit que ça commence à prendre. Ok, donc c'est cette réponse au désir, au besoin, et on va pouvoir commencer à parler d'expérience client responsable et digital. N'hésitez pas du coup à m'interrompre hein, si vous avez... Moi j'ai une question. Oui. Pardon. Comment ça vous est venu de mettre un excitant avec un calmant ensemble et de dire que ça allait marcher? Après, voilà, vous avez peut-être choisi un autre axe, plus, je sais pas, thérapeutique du CBD. Mais moi, naturellement, si je veux un café, c'est pour me réveiller. Et si je consomme du CBD, c'est pour me détendre. Donc, les deux ensemble, j'ai. Voilà. Ouais, c'était un pari risqué. Hein. Alors là aussi, on s'est jeté. On l'a en tisane, en infusion aux fruits. Et on s'est dit, on va le mettre dans du café. Alors en fait, on n'était pas sur la propriété apaisante. Et en fait, c'est pour ça qu'au début, on a mal communiqué. Parce qu'on a communiqué de la même façon sur nos infusions que sur notre café. Bon, c'est un cas d'école. Hein.
En fait, sur les infusions, on communiquait sur le bien-être, le zen, le chill, etc. L'image de la marque était rattachée à ça. Aujourd'hui, le positionnement est un peu différent. On est sur la propriété digestive, notamment du chanvre, qui fait qu'on est sur un café qui ne fait pas mal au ventre. On est plutôt sur ça. Et sur le reste, allier en fait le positif du café qui va être un excitant et le positif du chanvre qui va être lui un relaxant, et donc inverser un peu cette courbe. Alors on a eu de la chance parce que des études sont sorties en même temps, et je pense que ça a aidé, où on a pu prouver des allégations sur le bienfait de les mélanger. Ouais, mais c'est pas plus intéressant de mélanger de la graine de chanvre broyée plutôt que du CBD, du coup? Alors c'était la question parce que c'est moins cher. La graine de chanvre, pour être très précis, c'est moins cher que de la feuille de chanvre. Et donc on s'était posé la question, mais c'était moins pratique en production. Voilà, tout simplement. Et ça apportait moins de goût. Et il ne faut pas oublier que, tu détailles les techniques, une espresso c'est une machine à 19 barres de pression. Et donc il faut que l'eau, quand elle tape la feuille, elle va extraire en fait l'huile essentielle. Alors que dans la graine de chanvre, ça se passe pas de la même façon. On ne peut pas extraire avec 19 barres de pression dans une graine. Voilà. Là, c'est un détail technique. Mais je maîtrise mon sujet, du coup, ça va. Bien. Du coup, c'est que l'argent était où? Yes. Expérience client, responsable et digital. On a eu court-circuiter et réduire, en fait, nos étapes, ce que tu as dit. On a eu, suivant la typologie et la nature du produit, le parcours d'achat, la différence avec l'expérience. Et je ne sais plus ce que tu avais dit. Si jamais, redis-moi. Alors, pour qu'on se mette un peu d'accord, alors il n'y a pas de... J'ai pas de définition fixe de l'expérience client responsable, parce qu'effectivement, elle va s'adapter à votre entreprise. Mais au-delà de ça, c'est de se dire comment intégrer le client, la place du client dans votre expérience. Alors là, on va être purement digital si vous le voulez bien. Ça sera plus simple pour exposer le parcours d'achat. Comment le rendre responsable? Alors, responsable, ça peut être d'un point de vue, effectivement, l'expérience utilisateur en tant que telle. C'est-à-dire, est-ce qu'il va avoir des bugs? Est-ce que le processus d'achat va être simplifié? Est-ce qu'on va avoir du temps de passage en caisse? Est-ce que le site va être sécurisé? Est-ce que le consommateur va être informé de comment va se passer son achat? Est-ce qu'il va recevoir un mail avant, de confirmation? Est-ce qu'il va recevoir un mail d'après, au moment de la livraison? Comment est-ce que ça s'est passé? Son avis, son partage? Là, on va être sur une expérience dite responsable d'un point de vue si c'était une expérience bénéfice, on va dire bénéfique pour le consommateur. Et puis une expérience responsable sur le pilier environnemental, puisque c'est un sujet qui visiblement aujourd'hui intéresse tout particulièrement. C'est effectivement trouver la solution pour que la personne achète, mais que derrière, on ne perde pas du consommateur que si on avait fait notre campagne basique. C'est-à-dire qu'il faudrait comparer. Alors, est-ce que vous connaissez une technique? Comment est-ce qu'on appelle ça quand on teste deux parcours clients, deux parcours d'achat différents? L'A-B testing. Oui. L'A-B testing. Tu nous expliques? Donc là, on va prendre ce cas-là, on va avoir parcours A et parcours B. Parcours A, la méthode traditionnelle qui jusqu'à aujourd'hui permettait de vendre le produit. La méthode B, la mise en place d'un processus dit plus responsable. Donc par exemple, effectivement, moins de nurturing ou pas de retargeting. C'est-à-dire pas d'utilisation des cookies sur les sites web pour pas tracer votre consommateur et lui reproposer en retargeting la publication sponsorisée derrière sur Facebook, etc. Savoir est-ce que vous allez avoir le même taux de conversion. Bon, la réponse, ça sera du coup non, mais... Okay. Je vais voir un truc, si vous permettez. C'est ça, pas mettre du chauffage dans le bureau. Ça, c'est une action responsable, par exemple. Là, après, j'en ai la gorge. Je ne vais pas mettre du chauffage dans le bureau.
Et donc, c'est de comparer en testing le parcours d'achat A et le parcours d'achat B. On pourrait enlever cette phase de retargeting. Qu'est-ce qu'on pourrait enlever aussi dans un parcours d'achat d'irresponsable? Et après, on repartira sur l'expérience. À votre avis, qu'est-ce que je peux enlever d'un processus basique sur mon site web? Ou non, d'ailleurs, si ce n'est pas forcément d'e-commerce, ça peut être sur de l'insta jogging, etc. Qu'est-ce qu'il pourrait dire le responsable? Le mail de confirmation? Non, parce que là, c'est il est légal, ouais. Si, par exemple, on a des mails qui ont d'autres produits, ou juste ça. Ouais. Comment on appelle la technique pour augmenter le panier d'achat suite à l'achat? On appelle ça de l'upsell. Effectivement, enlever cette partie upsell. Alors, soit direct après achat, soit par mail ou par bulletin d'info, etc. Ok. On peut peut-être enlever le pop-up aussi, qui permet de bénéficier de 15% de réduction. Alors, du coup, la question, vous savez le pop-up sur votre site web, pour la première commande par exemple, vous bénéficiez de 15% de réduction. Mais du coup, si on enlève, ils n'ont pas 15%, et donc qu'est-ce qu'ils vont acheter? C'est la question. Ou alors vous baissez votre prix. Mais qu'est-ce qui se passe quand vous baissez votre prix? Qu'est-ce qui se passe? On a moins de marge. Ok. Mais au-delà, sur l'image du produit. Il fait moins qualitatif. Parce que le prix, pour beaucoup de consommateurs, le prix veut dire qualité. Et du coup, en baissant et en faisant une forte réduction, ou au contraire, ne pas donner, enfin réduire fortement, c'est, ça peut, l'image du produit en tout cas va être détériorée. Ah, ça c'est une bonne question. À partir de combien de pourcents de réduction le cerveau humain pense que c'est un avantage? Ça c'est plutôt de la grande distribution d'ailleurs. Mais... À partir du moment où ça fait un vrai effet. D'ailleurs, c'est une loi qui est passée qui l'interdit maintenant. Enfin, qui l'interdit. Oui et non. Ça dépend du produit. Le fameux un peu 33%, vous savez, de acheter à l'offert. Mais on considère qu'au-delà de 15%, il y a déjà un bénéfice consommateur. Donc ça sert à rien d'aller taper du 50% hors solde. Ok, donc effectivement, ça, le système de valeur, parce que la valeur de votre produit est corrélée à son prix, pas que, hein, mais la valeur est corrélée à son prix en partie, et donc si on baisse le prix systématique, non seulement on peut baisser la qualité perçue, mais au-delà on peut aussi réduire les marges, et surtout des marges de long terme, puisqu'on aura moins de possibilités de réaugmenter son prix. Une fois qu'on le baisse, le consommateur voudra racheter au même prix. Un effet pop-up sans pop-up. Alors, comment est-ce qu'on pourrait faire? Tiens, oui. Je me demande, je sais pas, par exemple, si je dois être sur la page, et puis il y a quelqu'un dans le premier achat que je me fais ici, donc 15%. Voilà. Et en plus de ça, on peut mettre des phrases dessous. En plus, on ne met pas de pop-up parce que c'est peut-être. Je vous rechigne ou pas, je pense. L'éducation client aussi. Exactement. Tu peux avoir le bandeau, en fait, ne serait-ce qu'au haut du site, qui va soit offrir la livraison, soit bénéficier sur la première commande. Il y a des sites qui le font. Alors, il faut tester aussi. Par exemple, Feed. Vous connaissez Feed d'Anthony Bourbon? Ou Respire de Justine Hudeau? Ces deux-là, ils font beaucoup de tests. Vous regarderez, leur site, ils changent quasiment tous les mois. Et donc, on a eu le bandeau et on a eu le pop-up. On a eu les deux. Alors, je ne sais pas ce qui pourra fonctionner de mieux. Nous, je peux vous dire le retour qu'on a sur nos sites, ça peut toujours être intéressant. Bah, il s'avère que les gens demandent le code promo, mais l'utilisent assez rarement. C'est vrai, Xavier? Les gens, par acquis de conscience, doivent dire ah, si jamais je commande, je vais prendre le code promo. Et en fait, on se rend compte que c'est quoi 30% des consommateurs, peut-être 30 ou 40% maximum, qui utilisent le code promo. Et pourtant, des fois, il y a des codes promo vraiment intéressants. Et ils ne l'utilisent pas. Ça, c'est une donnée qui est intéressante. C'est-à-dire, est-ce que vraiment, du coup,
pour mon consommateur dans son parcours d'achat. Et là, c'est vous qui allez me répondre, et vous l'avez déjà répondu tout à l'heure, parce que le prix est une synonyme de valeur, est-ce que le consommateur a envie forcément de payer un prix moins cher? Qu'est-ce qui va faire que votre consommateur ne va pas forcément chercher à avoir une réduction sur votre produit? La rapidité d'achat. La plupart du temps, il faut quand même aller chercher un code promo ou choses comme ça, alors que dès qu'on a un besoin, on va cliquer sur le produit, on l'achète et c'est fini. Ok. Justement, l'expérience qu'il a avec la marque, avec le produit. Est-ce que vous iriez acheter un sac Louis Vuitton à moins 50%? Bon, en tout cas, vous pourrez vous poser la question, mais est-ce que ça vous intéresserait sur le flow? C'est vraiment la chose qui est cool avec lui, c'est que c'est inaccessible. Si c'est accessible, on n'y paierait pas ce prix-là. Ça dépend si on s'attache à l'image ou à la qualité du produit. Ah. C'est l'exemple du produit de luxe, il est spécifique. Oui, parce que c'est une caricature pour aller en. La motivation est très différente. Tu disais, si tu t'attaches à la qualité perçue, enfin la qualité à ton produit. Si je m'attache à l'image, je vais vouloir, ça va me plaisir de trouver plus fort parce que j'ai pu montrer quelque chose de très ancien. Si après j'ai l'opportunité, alors je n'aurais pas forcément voulu un sac Louis Vuitton parce que ça m'intéresse pas, mais je sais que c'est de la bonne qualité, et ça j'en vois à moins 50, mais j'achète alors que je n'aurais pas acheté. Parce que je sais que je vais avoir un truc durable, que j'ai une bonne future, que qui va pas lâcher et que ça me fait plaisir. Et du coup, je vais rebondir là-dessus sur la qualité perçue, voulue, traduite par la marque. C'est de se dire, le consommateur peut se dire, à tort ou à raison d'ailleurs, que si le produit est moins cher, c'est parce que la qualité qui était de base, elle n'était pas en accord avec en adéquation avec le prix d'origine. Et donc là, vous pouvez bâcher votre marque, et donc forcément aller alourdir le processus et l'expérience de votre client. Ok. On a dit donc le pop-up, le mail en moins, moins de nurturing. Et donc une fois qu'on a fait tout ça, on a nos deux tests. Et si vous avez l'occasion de le tester, faites-le à l'entreprise. Alors forcément, si vous avez moins de points de touche, logiquement vous captez moins votre consommateur. Mais du coup, c'est la question, c'est pas de se dire est-ce que j'ai moins de points de touche ou est-ce que j'en ai autant mais de façon différente. Ce qu'on disait tout à l'heure. Et les réseaux sociaux en sont une partie. On va prendre un autre exemple qui, lui, est assez étonnant aussi, sur la prescription des produits, par exemple des influenceurs sur votre marque. On a l'exemple encore avec Break. On fait des campagnes d'influence en ce moment qui ne se passent pas méga bien. Pourtant, nos influenceurs sont quand même en adéquation avec notre cible. Les gens qui suivent les influenceurs qu'on a sélectionnés sont pourtant typiquement dans la cible des clients qui nous achètent. Et ça ne marche pas très bien, et on se pose la question en ce moment, on n'a pas vraiment la réponse, mais on peut débattre là-dessus. Le premier élément, ça pourrait être de dire que peut-être que la prescription de produits, on est entre la PGC et le pharma en plus, hein, donc c'est un positionnement qui est un peu compliqué, peut-être que le prescripteur n'est pas le bon, peut-être que l'influenceur n'est pas prescripteur dans ce cas-là. Mais c'est de se dire, du coup, on n'a pas de data, les gens ne nous connaissent pas, et les prescripteurs engagés ne fonctionnent pas. Et du coup, sans faire de l'ad de sponsoriser sur YouTube, Insta, Facebook, et c'est-à-dire exploser le bilan et l'expérience à alourdir par rapport au développement durable, qu'est-ce qui nous reste en réalité pour lancer le produit? On se retrouve dans le schéma de tout à l'heure, c'est-à-dire d'abord du cash et ensuite des actions. Pour l'instant, le seul moyen qu'on ait trouvé, c'est de passer par des plus petits réseaux, des prescripteurs de proximité. Et donc là, on va être sur du digital, puisqu'on trouve des ambassadeurs type, vous savez, comme quand vous faites des réunions Tupperware ou Thermomix. Parce que là, vous êtes sur un type de prescription en direct. Vous pouvez goûter
le produit et on garde quand même l'acquisition digitale parce que c'est ça la clé pour nous. Parce que la clé, c'est que j'ai quand même besoin de la donner de mon consommateur. Tandis que si je confie à Martine son rendez-vous Tupperware du vendredi soir avec tout le monde et que je lui livre la marchandise, je ne maîtrise pas mon client et je ne maîtrise donc pas l'expérience client parce que c'est Martine qui parle de mon produit et je ne maîtrise pas mon parcours d'achat non plus. Donc la question, c'est de se dire « Ok, je passe par du prescripteur de proximité » qui va à la fois avoir moins de coûts pour moi, parce que c'est une marge distributeur, et moins de coûts pour l'environnement, mais en revanche, je ne maîtrise plus la data. Donc, on a fait le choix du digital, avec un espace compte par Martine, sur le site web, où les personnes vont pouvoir commander leurs propres produits, donc avoir cette expérience quand même conservée, même si c'est pendant l'apéro, où ils vont se connecter avec le code de Martine. Nous, on va voir que c'est Martine qui a fait la vente, on lui reverse sa commission, et nous, on est quand même propriétaire de notre data. Et derrière, on peut faire ou non des actions de nurturing, ou en tout cas, au moins une, pour connaître l'intérêt, c'est-à-dire pourquoi est-ce que la personne a acheté notre produit. Parce que là, je ne sais toujours pas, quand Martine l'a proposé à ses copines, je ne sais toujours pas pourquoi notre consommateur il a acheté mon produit, parce que c'est Martine qui maîtrise son wording. Et donc une fois que j'envoie cette newsletter avec... Alors là, par exemple, la newsletter, je suis désolé, parce que dans le digital, c'est quand même assez simple de vous le montrer. Et je vais dire un exemple tout bête. Peut-être que Martine, elle a fait un rendez-vous, elle a montré comment faire de la pâtisserie à base d'infusion CBD. Moi, je ne peux pas le savoir. Et peut-être qu'en fait, Josiane... elle a acheté ça pour reproduire la recette de tiramisu de Martine. Sauf que je ne peux pas le savoir tant que je ne lui ai pas posé la question. Sauf que je ne connais pas son numéro à Josiane. Et donc je vais lui envoyer un mail pour lui dire « Ah bah tiens, voilà ce que tu peux faire avec nos produits. 3-4 boutons, une recette, un cocktail, une infusion particulière ou un mode de consommation, c'est-à-dire plutôt bien-être. Quand est-ce qu'il faut prendre le CBD ? Allez sur un article du site web. » Sur son clic, je vais connaître son intérêt. Et derrière, et c'est là que ça devient responsable, parce qu'au lieu de lui envoyer de l'info qui ne la concernera pas, et donc lui envoyer l'intégralité de mes newsletters, je veux lui envoyer que celle qui la concerne, et donc réduire mon bilan. On y vient, petit à petit, quand même. Est-ce que ça vous paraît clair, cette histoire de Martine et Josiane ? Bon, j'ai pris ces prénoms-là. Madame Dupuis... Alors, merci beaucoup Lucas, en tout cas, pour ton intervention. Il reste 5 minutes, juste pour information, pour conclure, et ensuite on va passer à la conclusion, et puis on va vous faire un petit jeu d'interaction, pour finir. Ah, c'était pour me dire qu'il me restait 5 minutes. Peut-être des questions, parce que peut-être que vous avez des questions, ou que je voulais que je complète ça avec votre point de vue. Vous apporter des éléments de réponse supplémentaires. J'ai une remarque, mais je crois qu'elle ne sera pas constructive. C'est pas grave, dis-moi. Tout est constructif. C'est simplement l'interlocuteur qui doit prendre avec recul. Et je le ferai. Ok, Josiane, elle a acheté parce qu'elle avait une recette. Donc elle clique sur le coup de la recette parce que ça l'intéresse. Et après, tu ne vas lui envoyer que des recettes. Ça me gêne un petit peu parce que, ok, on dit que ton bilan carbone va être moins parce que, justement, au lieu d'envoyer un mail de 5 scrolls, tu vas envoyer un mail de 2 scrolls, ouais, par exemple. Mais elle n'aura jamais que des recettes et jamais si elle va pousser son expérience produit plus loin et avoir envie tout d'un coup, tiens, c'est vrai que le cocktail il a l'air pas mal, donc j'avais pas pensé à l'utiliser comme ça. Et à quel moment, en fait, avec, je sais pas si c'est. Avec ce côté algorithmique un peu qui va nourrir ce qu'on a déjà, je trouve qu'on ramollit un peu les gens. Et qu'on ne leur donne pas la niaque d'aller voir ailleurs, de chercher autre chose. Et c'est un truc, je comprends que ce soit la nouvelle dynamique digitale aujourd'hui de se dire on va nourrir les gens là où ils en ont envie, là où ils en ont besoin, là où ils sont déjà dans cette mouvance. Et je trouve que ça décrit un petit peu notre besoin de grandir et notre curiosité naturelle. Et par contre, la responsabilité client après, c'est de se dire je sais que ça marche comme ça, alors il faut que je me bouge pour aller faire des recherches qui vont nourrir mon algorithme. Mais voilà, bon, voilà. Je vais répondre en deux temps du coup.
Je vais répondre par le deuxième temps, qui est ce fameux algorithme. Et c'est vrai qu'on est baigné dedans et on ne s'en rend pas forcément compte. Qui connaît l'algorithme de sélection des films de Netflix ? En fonction de ce qu'on a regardé, il considère... Ça, c'est le premier élément. En fonction de ce qu'on a regardé, il nous fait des recommandations. Deuxième chose, qu'est-ce qu'il va venir faire ? En fonction de ce que les gens qui regardent, oui, c'est-à-dire qu'il y a une interaction, l'algorithme va fusionner les comportements de consommation de contenu vidéo. Et il y a un autre truc. Amusez-vous à allumer côte à côte votre Netflix. C'est pas les pourcentages de satisfaction qui changent entre chaque compte. Alors ça, j'espère pas, parce que du coup on serait sur cacher l'information au consommateur, et je crois pas que ça soit très légal. Au-delà de ça, par contre, il y a un autre truc qui change, c'est les vignettes. Si vous avez regardé, par exemple, juste avant Lucifer, vous avez regardé un thriller, un truc un peu sanglant, l'image de la vignette de Lucifer sera peut-être un couteau en sang. Alors que si vous avez regardé un film à eau de rose, on aura peut-être Lucifer, un peu plus glamour, etc. Amusez-vous à regarder. Et en fait, votre choix de consommation est orienté non seulement par rapport à vos habitudes de consommation et donc aux recommandations effectives par rapport aux autres, mais aussi par rapport à vous, ce que vous consommez. Et donc, on va venir changer la vignette, l'image qu'il y a sur le contenu. Vous savez qu'il y a de la publicité, alors la publicité visée, on la connaît sur le web, avec vous regardez un truc sur un blog, et puis après vous avez une page d'Amazon qui vous propose ce produit-là en display sur le côté. Mais il y a aussi quelque chose de nouveau, alors je ne suis pas assez calé pour vous en parler correctement, mais vous irez regarder, qui est la publicité ciblée sur la télé, puisque logiquement, peut-être que quelqu'un peut compléter, mais il me semble que depuis le 1er janvier 2022, vous pouvez ne plus avoir la même publicité à la télé que votre voisin d'à côté, puisque c'est basé sur vos habitudes de consommation aussi de contenu télévisé, l'information remontant par votre box ADSL. Donc oui, je suis d'accord, ça pose un vrai problème d'information pour le consommateur, parce que c'est de se dire, par rapport à ses habitudes, je vais l'enfermer dans un schéma de consommation, mais qui en même temps peut le... C'est de la complaisance. C'est-à-dire, on va me proposer, j'ai conscience qu'on va me proposer des choses qui vont m'aller, mais au risque de ne pas avoir la vision globale de ce qu'il y a sur le marché. Et du coup... C'est... Alors, bah en fait, comment dire, ça reste quand même dans tes habitudes de consommation par rapport à ce qu'ils auraient, eux, ciblé par rapport au consommateur type, en fait. Mais au-delà de ça, bah, c'est de se dire, ok, le consommateur, il a le plein pouvoir sur la transparence d'information, mais en même temps, on lui donne une information qui est biaisée. Alors on a les deux, c'est-à-dire que les marques essayent de reprendre le dessus sur la publicité ciblée pour empêcher le consommateur. Alors là, on est sur un truc purement éthique, hein, et c'est intéressant de mêler cette éthique-là. Et le deuxième élément de ta réponse, et qui était super intéressant, je voulais revenir dessus, c'était quoi le début de ta intervention ? Ah oui, cibler toujours que Martine, enfin Josiane, elle ne voit pas le... Cibler les recettes. C'est les recettes. Alors, la meilleure réponse, c'est peut-être sur un des mailings, de temps en temps changer, en faire un plus global, et de découvrir si les intérêts ont changé. Et ça serait répondre simplement, efficacement à ça. Ou alors, ce qui peut être intéressant, et tu peux le faire lors d'une nouvelle sortie produit, qui sera un produit différent de ce qu'il consomme habituellement, et de faire un mailing global, où là, du coup, bah, tu es comme sur de l'information, donc tu as besoin de dire à ton consommateur que tu as un nouveau produit. Dans tous les cas, tu as besoin de le dire. Et donc, profiter, pourquoi pas ça, pour revérifier l'intérêt du consommateur. Et tu fais une pierre deux coups. Ou alors, tu fais tout, tu fais en sorte, dans ton processus, de le rediriger vers d'autres plateformes, comme Instagram, par exemple, où là, on a un contenu qui est beaucoup plus global. Encore faut-il que Josiane aille sur Instagram. Après, peut-être que Josiane a 22 ans. Hein. Ok. Bah, c'est tout bon pour moi. Mettre du temps. Tu as la montre, j'ai le temps. Vas-y. Eh bien, merci beaucoup en tout cas Lucas pour toutes tes interventions et le contenu très riche que tu nous as apporté. Et merci surtout à vous le public, parce que
que vous avez vraiment joué le jeu et vous avez vraiment participé activement à cette masterclass, donc ça fait vraiment plaisir. Donc finalement, en conclusion, pour conclure, Lucas, pourrais-tu nous dire quels sont les facteurs clés de succès pour réussir cette stratégie en marketing digital au service de la RSE et du développement durable ? Pour résumer un peu notre masterclass. Allez, on va voir trois tips ensemble. Je ne les ai pas préparés, hein. Donc je vais les faire en même temps que vous. Premier tip qu'on pourrait avoir, c'est simplifier le parcours du consommateur en reprenant ce que tu nous as dit tout à l'heure. Ou avoir en fait être une marque responsable, ça serait mettre son expertise, sa vraie expertise, et non pas l'expertise greenwashing ou quoi de l'entreprise au service de son consommateur. Et donc ça serait peut-être déjà l'informer sur les bonnes pratiques, s'il y en a, attention, et l'informer au bon moment. Parce que par exemple, c'est pas toujours le bon moment de lui indiquer qu'on plante des arbres. Il faut sélectionner son moment. Et toujours se poser la question, et ça c'est facile à savoir quand est-ce que c'est le bon moment, vous posez la question, quel est le message derrière ? C'est-à-dire, pourquoi est-ce que vous faites cette action ? Pour qui ? Quel message vous voulez faire passer ? Et surtout, le message, vous le construisez par rapport aux freins et aux peurs de votre consommateur. Et si c'est une volonté de la marque de s'affirmer dans ces transitions, comme on a pu le voir tout à l'heure, la personne qui était dans une marque qui, de par essence, devait être responsable, aussi bien sur la production que sur l'expérience, c'est comment en faire part au consommateur sans que ça paraisse greenwashing. Ça pourrait être la première étape. La deuxième étape, qui en fait est presque la plus importante, c'est sensibiliser l'interne. Ça, c'est un retour d'expérience qu'on a chez nous, c'est que tout le monde n'a pas le même niveau d'information en interne. Vous, maintenant, vous êtes érudit sur les RSE, mais tout le monde ne l'est pas. Et en fait, première étape pour empêcher les erreurs, c'est de partager et de trouver des moments où les RSE ne doit pas se clôturer un service. Et vous devez, si vous voulez qu'elle fonctionne, vous devez impliquer tout le monde. Je reprends l'exemple dans la boîte où j'étais avant, à l'industrie. Alors pour vous dire, purement industrie, on faisait 5 millions, que des ingénieurs à 80%. C'est pas le milieu en général où ça les intéresse de prime abord quand même. Ils comprennent, mais ils ne l'intègrent pas. Et donc en fait, c'est comment dire, ah ben tiens, le pôle marketing et commercial commence à faire de la RSE. Si on l'avait dit comme ça, ça puait grave le greenwashing. Parce que si le RSE est piloté par le pôle market et le pôle commercial, sans en informer en fait en amont la production de produits R&D, bah ça mène nulle part. Donc le vrai conseil qui serait là, c'est d'impliquer tout le monde pour avoir cette transition, aller vers du mieux. Parce que les RSE, c'est pas forcément avoir un produit hyper clean, c'est faire mieux que ce qu'on fait actuellement. Ça, c'est à retenir. Ne vous forcez pas. Parce que c'est comme, vous savez, c'est comme quand vous reprenez un objectif, les résolutions en début d'année, on les tient pas forcément parce qu'on veut trop faire d'un coup. Je sais qu'on a 3 ans, mais peut-être que si on se fixe des objectifs trop hauts qui ne dépendent pas forcément de nous, c'est-à-dire par exemple quand vous êtes dans un exemple, quand vous êtes en entreprise et que vous fixez un objectif, je veux 300 likes sur la publication, cet objectif ne dépend pas de vous. Et donc si vous ne l'atteignez pas, vous serez déçu. Et si vous êtes déçu, vous ne le referez pas. Prenez un exemple qui dépend de vous. Je peux être en capacité d'avoir un plan de communication qui va me permettre de poster un réel par jour pendant 30 jours, et seulement après je verrai les résultats. Donc mettez en place un plan d'application, fixez-vous des objectifs qui dépendent de vous, et une fois que vous aurez fait ça, vous regardez ce qui s'est passé. Et peut-être que vous aurez atteint vos 300 likes, peut-être pas, mais vous serez en capacité de juger ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. Donc impliquez tout le monde, fixez-vous des objectifs réalistes, et essayez de faire mieux. Voilà, je pense que c'était mes tips. Merci beaucoup. Donc pour finir cette masterclass, on va vous demander de vous mettre par groupe de 3 personnes. Vous pouvez prendre vos voisins de gauche et de droite et former des groupes.
et vous allez réfléchir à une petite problématique ensemble. Et on va lire ensuite, Lucas va lire ensuite la meilleure réponse. On gagne quoi? Je m'y attendais à cette question, je pensais que la pose va être. Vous gagnez votre reconnaissance éternelle, ce qui, je vous l'assure, a beaucoup de valeur. Alors, on vous laisse vous reconnecter sur Menti avec le QR code. C'est une question qu'on vous posera et ensuite on vous demandera de réfléchir à par route de trois. Donc voilà la question que vous avez. Donc, quelle stratégie digitale et durable pourrait être mise en place dans le monde de l'entreprise? Donc ça peut être un exemple si vous souhaitez de votre propre entreprise ou d'une autre entreprise en général. Et voilà, on vous laisse débattre, vous avez 5 minutes à peu près. Et ensuite on va regarder un peu vos réponses. Alors, est-ce qu'il y a bien une personne par groupe qui a réussi à se connecter sur Menti? C'est tout bon? Il n'y a pas eu de problème? Non. On peut faire ça dans le groupe, si c'est bon? Léa Main, c'est tout bon? Ok, parfait. Et la santé,
Parce que je sais pas. Alors ça va bientôt se terminer, donc on laisse vous noter les questions. Parce que je suis en silence. On vous laisse encore un peu moins d'une minute et ensuite on va passer à la suite. On va bientôt passer à l'analyse de Franchement, vous avez vachement participé, c'est hyper chouette. Donc, on a quoi comme réflexion ? Mettre en place une stratégie digitale et durable, donc on va apporter la même stratégie de l'entreprise. Voilà, je ne sais pas si c'est. Tout en incorporant des éléments durables. Avec la mise en place de substituts, avoir un site éco-friendly, une politique RSE et un accompagnement. Lucas, il va nous rester 5 minutes pour commenter un peu les réponses de chacun. Oui, je vais commenter. Alors, après, j'ai du mal à... Vous savez, la chose que j'aime le moins dans ma partie enseignement, c'est la notation. Je déteste ça, parce que j'aime pas noter. Alors, commenter des choses très pertinentes que je suis sûr que vous avez fait, ça me dérange un peu. Je suis sûr que c'est du très bon travail. Je ne vais donc que commenter, avoir une construction critique positive à ça. Donc, pour mettre en place une stratégie digitale et durable, on pourrait aborder la même stratégie d'entreprise tout en incorporant des éléments durables avec la mise en place de substituts, avoir un site éco-friendly, une politique RSE et un accompagnement, j'imagine. Il manquait les 250 caractères disponibles. Alors ça revient aussi un peu à ce qu'on a dit tout à l'heure. Effectivement, alors il faut faire attention à ça du coup parce qu'en incorporant des éléments durables avec la mise en place de substituts, c'est-à-dire... Qui a mis ça ? C'est moi. C'est juste pour dire, en gros, il y a une stratégie qui est annoncée, et en gros, on essaye d'incorporer l'aspect durable dans notre stratégie. Avec okay. Justement une méthodologie avec, par exemple, avec la conception d'un site éco-friendly, avec une politique RSE, un accompagnement pour les salariés et autres... Ok. C'est-à-dire en communiquant sur le fait que ce soit un site éco-friendly, j'imagine. C'est ça. Un site éco-friendly, alors un exemple pour que les gens comprennent, c'est par exemple le poids des images qu'il peut avoir sur votre site. Peut-être enlever les images en SVG et les mettre en PNG et les réduire un peu. Okay. C'est pas bon, là. C'est un peu en retard, du coup. Ah, l'initiative. Bah, il va falloir vous inscrire dans la circonscription de Marseille pour voter pour lui. Ok, alors, limiter la communication par mail en interne et tout. Ah, c'est parce que les gens ils continuent de mettre des choses et du coup ça décale tout. Ah, bah c'est super pratique. Arrêtez de mettre des choses. Alors, bannir toutes les communications par mail, bah, ça c'est radical. C'est la méthode Lush. Ne plus faire en fait le métier pur de la communication traditionnelle du début du digital et c'est de se dire on se prive d'un des canaux de communication mais à côté de ça j'espère pour vous que votre entreprise est armée et que vous ayez une vraie stratégie parce que sinon vous allez fermer en interne
Alors ça, oui. Alors comment est-ce qu'on peut modifier la communication interne à la place des mails, alors qu'on augmente le télétravail? On va développer des techniques collaboratives. Loom. Les... Non, c'est pas le transport. Ouais, mais est-ce que du coup la com ça serait pas en... ça serait de ne pas en faire, tu vois? Alors, qui connaît la marque Loom? Alors ils font de l'influence, c'est ça? Je crois qu'ils font l'influence. Ils sont présents sur LinkedIn. Ils sont présents sur LinkedIn, donc ils font de la com quand même. Ou de l'influence. Par des prescripteurs, j'imagine, qualifiés sur ce domaine. Alors, de toute façon, hein, par essence, la question, si la question fondamentale, c'est si une marque ne fait pas du tout de communication, est-ce qu'elle peut fonctionner? Je pense que la réponse est non. Ou alors, vous avez un sacré réseau de distribution qui distribue pour vous, et donc c'est eux qui font la communication. Ok. Et intéressant, je regarderai cette marque Loom L2OM. Je regarderai. Et pas dire toute communication par mail, donc on disait en interne, bah, par exemple, intégrer des Slack, par exemple, ou des Microsoft qui fonctionnent, vous savez tous, dernièrement. Faire des partenariats avec des logiciels verts, Ecosia, par exemple. Ok. Pourquoi pas, c'est une bonne idée. La question, c'est est-ce qu'on communique là-dessus ou on le garde pour nous? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on doit communiquer comme action et qu'est-ce qu'on ne doit pas communiquer? C'est une vraie question aussi. C'est pour éviter de tomber dans le greenwashing. Parfois, il y a des partenariats qui vont mieux garder pour soi. Et donc, c'est une vraie question stratégique, ce choix. Ensuite, diminuer la taille des pièces jointes par mail et des images sur site internet. C'est un premier réflexe, effectivement, d'écraser les pièces jointes. Ok. Sélectionner des partenaires locaux avec l'économie circulaire. Alors effectivement, c'est intéressant. Ça parle d'un des autres piliers de la RSE qu'on n'a pas trop parlé aujourd'hui, qui est l'économie circulaire, qui fait partie du pilier économique et du pilier social et du pilier environnemental, pour créer une vraie valeur responsable et communiquer dessus en réduisant les canaux de communication pas pertinents. LinkedIn pour B2B, par exemple. Oula, alors, attends. Dessus, qui a... Lucas, alors, je coupe juste, il reste... on va finir par conclure. On peut les séquestrer, sinon. non, je voudrais juste revenir là-dessus. LinkedIn, c'était où? C'était où? Ah, expliquez-moi. Qu'est-ce que vous voulez dire? Alexandre, qu'est-ce que tu voulais dire? Non, mais... Par exemple, la cible n'est pas dessus, par exemple, et c'est pas pertinent par exemple, de communiquer dessus, donc ça fait un canot en plus digital, du contenu digital en plus, alors c'est pas pertinent d'utiliser. Et par exemple, aux entreprises qui utilisent, on sait que pertinemment, c'est avec le meilleur réseau digital, ouais. Peut-être pour Instagram, le compte de la chose, ça va Ok, je vais commenter et conclure là-dessus. Effectivement, la première étape, bah, c'est logiquement de faire un bon plan de communication. Et dans ce plan de communication, on regarde nos cibles, les messages à délivrer, et parfois, effectivement, on s'adapte à une plateforme ou à une autre. Effectivement, dans B2B, alors LinkedIn, c'est parce que, pour ça que ça m'a fait rire, parce que c'est une vraie expertise agent chez nous, on fait quasiment que du LinkedIn. Et c'est super intéressant, et bon, c'est dommage, peut-être qu'un jour on se reverra et je vous parlerai de LinkedIn. C'est un outil absolument incroyable, LinkedIn, on vend presque tout dessus. C'est un outil d'une surpuissance monstrueuse, parce qu'en fait vous allez contacter quelqu'un comme si vous étiez assis à son bureau en réunion, parce que c'est un réseau social professionnel. Vous allez non seulement avoir accès à des personnes que vous n'auriez jamais eu accès en dehors de LinkedIn, et en dehors de ça, vous allez pouvoir faire comme si interagir dans son cadre professionnel. Et on a des exemples de clients qui font par exemple des constructions bois-paille pour du B2B. Ils font des bureaux où ils passent par des promoteurs immobiliers. La seule condition, c'est de faire des murs en bois-paille.
vous dites qu'est-ce qu'il va foutre sur LinkedIn, entre guillemets, c'est comme ça. Parce qu'il faut quand même tomber au bon moment pour dire ok, je fais des constructions bois paille qui coûtent 200 000 euros, est-ce que t'en veux une? Quand même tomber au bon moment, c'est un sacré coup de chance. Et en fait, ça a cartonné, puisque avec une campagne d'automatisation chez nous, alors je vais pas rentrer en détail, mais on automatise l'envoi des nodes, des connexions, des nodes de connexion, les premiers messages, les workflows à l'intérieur de LinkedIn. Et en un mois, sur 1400 actions envoyées, c'est ça ? Sur 1400 actions envoyées, c'est 500 acceptations dans le réseau et 300 messages en particulier à répondre. Vous imaginez 300 messages sur des constructions bois paille. Il n'a rien fait. Et donc là, on peut se poser la question de est-ce que c'est RSE ? Et je pourrais vous dire, ben, c'est un serveur qui va tourner en automatisation 20 minutes par jour, alors que peut-être lui aurait passé 2 heures ou 3 heures, et donc il diminue son temps, il est plus productif, il diminue son temps d'écran, il diminue son impact, et à côté de ça, l'automatisation, lui, va tourner que 20 minutes par jour, et derrière, il a 300 messages à gérer, et dont une vente, puisqu'il a signé avec un promoteur immobilier sur du bois paille. Et on vend nos capsules au CBD aussi sur LinkedIn, donc croyez-moi, c'est un bon canot que vous devriez à tout prix utiliser. Bien, je pense que j'ai largement dépassé mon temps. Je vous remercie pour votre bienveillance, pour votre écoute, et à bientôt.